une production du Studio SF. Allô! Allô! Le podcast aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous offre un 15% de rabais avec le code SEXORAL. Yes, puis Noël arrive, fait que faites vos cadeaux là-bas. Bravo! Qui qu'on reçoit aujourd'hui, Lison? Aujourd'hui au podcast, on reçoit Marie Lopez, c'est-à-dire Angel Phoenix, qui est une amie de longue date à moi de réseaux sociaux. Ça fait 12 ans qu'on se connaît à l'Internet, c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. Puis tout le long qu'elle parlait, je fixais ses lèvres amoureusement. Si qu'elle est belle, puis qu'elle est fine, puis qu'elle est drôle, puis que je l'aime. Elle s'est full ouverte à nous aujourd'hui au podcast sur plein de sujets. Elle nous a parlé, oui, de sexualité, mais de relations, des réseaux, mais... je pense que ça va être la première fois que bien du monde va voir Marie sous cet angle. Mm. Ce qui est fou qu'elle nous a permis de découvrir ça chez elle aujourd'hui. Très belle personne. Ouais, ouais. Mais hein, comme à l'habitude, on savait pas trop où on s'en allait. Finalement, on a fait quoi, une heure et demie de podcast? Ouais. 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 On n'avait aucune ligne directe. Ben, le sexe, là, mais c'est allé bien plus loin. Puis, ouais, puis c'est super intéressant. Ouais, vraiment. La culture des médias sociaux, la culture du dating en France, là, ouais. On a comme... En tout cas, ouais. Vraiment cool. Yeah. Mon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Soja Eco, une entreprise d'ici qui offre des bougies de soja et des produits de bien-être. Ils proposent des fragrances uniques et originales tout en mettant le respect de l'environnement et des ingrédients de qualité supérieure de l'avant. By the way, celle-ci, aux céréales et lait, sans le ciel. C'est une entreprise québécoise fondée et dirigée par des femmes. Production locale entièrement fabriquée au Québec et c'est fait de cire de soja 100% naturel. Produit certifié sans cruauté animale et vegan. Et à chaque commande Soja Eco, un arbre est planté. Plus de 10 000 arbres ont déjà été plantés. Petit rappel aussi que leur boutique a été ouverte au 10/30 le 1er septembre dernier. Si vous voulez, vous avez avec le code promo SEXORAL20 un 20% de rabais sur leur site. Donc voilà, bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Collection Mini Coco, qui est une compagnie québécoise de produits faits pour bébés, pour les enfants, pour les parents, que je consomme à chaque jour pas mal leurs produits. Donc ici, ça c'est ma robe préférée, là. Je ne sais pas si j'ai déjà montré, là. Qualité incroyable, tissu incroyable et beauté, c'est ça, vraiment beau. Et mon sac préféré, sac à couche, mais qui est vraiment plus gros. Fait que je mets tout mon linge dedans. Je peux tout mettre. Fait que j'ai juste un sac à traîner. C'est celui-là. Voilà. Dans le fond, l'équipe est fière de simplifier le mode de vie des parents en offrant des produits de qualité adaptés à leur mode de vie avec leur bébé. La collection est une qualité haut de gamme, confection québécoise, 10 catégories de produits fabriqués au Québec. Plus de 250 produits faits ici. 92% de la collection est fabriquée au Québec. 98% de la collection est designée aussi au Québec. Ils ont 7 employés, 4 couturières d'ici, fait que c'est vraiment, on encourage le local. Et on a un code de rabais de 15% avec le code SO15. Merci, collection Mini Coco. Allô? OK, je vais juste expliquer ce qui se passe présentement, parce que je ne sais pas à quel point vous réalisez à quel point c'est un big deal. Mais moi puis Marie, on a commencé sur YouTube à peu près en même temps, il y a 12 ans. Genre, ouais. En 2010, toi, que tu as commencé aussi? J'ai posté ma première vidéo en 2011, mais en 2010, j'étais déjà active sur YouTube. Ouais. Ouais. On faisait partie de la même chaîne YouTube de collaboration qui s'appelait WikiFew Collab. J'avais oublié ça! Ouais. Mais c'est vrai! Ah oui, ouais. C'est vrai. Ouais. Puis c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, après pratiquement 12 ans. Wow! Bienvenue à Montréal. Ouais, merci. Oui! Fait qu'aujourd'hui, on a décidé, ça va être super léger, on veut juste parler de sexualité tranquille avec toi, quelque chose que t'as jamais vraiment fait sur les réseaux sociaux. Ouais, non, jamais. Est-ce jamais? Que c'est bon? Wow. Ouais. Fait que, tu sais, on peut juste y aller, OK, France-Québec, mais plus par rapport à toi. Puis là, j'ai vraiment de la misère. Aussi, je vais juste presser, j'ai vraiment de la misère à parler. Je me suis fait enlever mes dents de sagesse, puis j'ai mal à gueule, puis c'est super pas naturel. Mais je suis contente que tu sois là. Ça va être trop bien. Ah ouais, mon gars! C'est quoi le genre de vidéo que tu fais normalement?
Quand j'ai commencé, c'était principalement des vidéos beauté. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, toutes les meufs, mais même toi, tu vois, t'avais un peu commencé à faire ça au début, vite fait. Faire des tutos make-up, tu vois. Faire des tutos liner, des trucs. J'ai commencé par ça. Et puis après, je me suis redirigée vers le vlog. Vraiment, c'était le format que je trouvais le plus adapté pour partager tout, tu vois, ta vie, tes moments de joie, tes moments de peine. Un peu tout, en fait. C'était vraiment le format où je mettais tout à l'intérieur. Et c'est vraiment par ça que j'ai vraiment évolué, commencé, tout ça. Ouais. Et maintenant, je fais un petit peu de tout. J'ai une première question alors pour toi. Oula. T'as un bon following, tu sais, on voit sur Instagram, t'as des millions d'abonnés. Ouais. Je veux savoir si dans ton dating, puis tout, ça a un impact d'être quelqu'un de connu, tu sais. Tu te promènes en France, puis est-ce que les gens t'abordent? Est-ce qu'ils veulent tout slider dans tes DM? Au début, c'était pas si pire dans la mesure où je datais que des gars qui faisaient la même chose que moi. Donc, il n'y avait pas trop ce truc de se dire, bon, ça se trouve, la personne est avec moi pour mes followers sur Insta ou je sais quoi. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas hyper bon pour moi d'être avec quelqu'un qui faisait le même métier. Simplement parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a quand même de la concurrence. Que tu le veuilles ou non, il y a un moment où il y a toujours ce truc de « il a plus d'abonnés, j'ai plus d'abonnés, il gagne plus que moi, je gagne plus que lui ». Enfin bref, ça n'allait pas quoi. Donc j'ai commencé à me mettre sur les applis de rencontres pour célébrités. Ça existe? Attends, quoi? Ouais, ça existe. C'est uniquement en France ou c'est comme... Non, c'est international. Mais c'est quoi que ça prend pour être une célébrité parce que Watch Me, là? Ouais, en fait... 2000 likes. Mais au début, je galérais, j'étais là, non, je veux pas me mettre sur ce genre d'appli, je voulais pas me mettre sur Tinder, tout ça, parce que je me suis dit, non, ça va être l'enfer. Et puis de toute façon, au pire, les gens penseront que je suis fake, que c'est pas la vraie moi, donc ça n'avait aucun intérêt. Et puis, j'ai une pote à moi qui m'a mis sur ce réseau social qui s'appelle Raya. Okay. Et en fait, c'est une appli qui marche que par parrainage. Donc en fait, toi, tu dois apply pour essayer de rentrer sur le site, mais via une invitation que quelqu'un t'a fait qui a déjà été validée par l'appli. Ouais, c'est vraiment tout un bail. Ouais. Et une fois que t'as été validée, ils vérifient ton Insta, ils te connectent à ton Insta pour être sûr que c'est vraiment toi, tout ça. Et sur cette appli, t'as tout le monde. Donc les footballeurs, les rugbyman, tous les gros Leonardo sportifs. Leonardo DiCaprio, genre. Tu pourrais avoir Shawn Mendes, tu vois. Et ils sont tous sur cette appli, tous. Sauf que ça mélange à la fois des gens ultra connus et des influencers, tu vois, comme toi, comme moi. Et je suis pas Brad Pitt, en fait. Tu vois, donc je sais pas pourquoi ils nous ont tous mis sur le même level, mais c'est ça. J'avais jamais entendu parler non de plus. Ça. C'est... Okay. Un petit crochet bleu, puis c'est toi un chum, là. C'est... Mais ça, justement, d'aller sur cette application-là, au moment où tu t'étais dit « Ah, je sais pas à quel point je veux continuer de voir des gens du milieu », ça a pas été comme... Ben, en fait, je n'y suis pas allée dans l'optique de trouver quelqu'un ou quoi que ce soit. Je voulais juste voir. J'étais un peu curieuse. Je me suis dit, c'est quoi? Et en fait, comme il n'y a pas que des influenceurs, il y a d'autres gens, tu vois. Je me suis dit, why not, en fait? C'est plus des influenceurs. Ouais, je voulais plus vraiment un influenceur parce que je savais que c'était trop dans la concurrence. Ouais. Je voulais juste essayer de trouver quelqu'un qui allait comprendre ce que je faisais, mais qui ne faisait pas la même chose. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, je pouvais plus sortir dans la rue, je pouvais pas sortir de chez moi. Ouais. Pour vrai ? Ouais. Maintenant, ça va mieux, parce que j'habite en Belgique, donc c'est plus calme. Mais en France, c'était vraiment devenu compliqué. Vraiment. Je pouvais plus aller en boîte. Je pouvais pas. En boîte, en bar, c'est impossible. Parce qu'il y avait toujours un moment où je me faisais aborder par des gars qui venaient me draguer juste parce que ils m'avaient reconnu. Et ils savaient que j'étais Enjoy Phoenix. Et ils se sont dit, il y a moyen. Donc au début, ils te parlent et tout, ils sont sympas, ils t'offrent des verres, ils t'en parlent pas. Et puis au bout d'une heure, ils te demandaient alors du coup, c'est comment les réseaux? Et toi, t'es là, mais tu viens de me faire perdre une heure de ma vie, en fait. Donc t'es contente. Mais là, ton chum que t'as en ce moment, tu l'as rencontré sur Raya? Non. Non. Pour le coup, on s'est rencontrés par ami interposé. Ok. Et lui, il est producteur de musique, il est DJ, tout ça, donc... c'était le parfait match entre j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que je fais, mais qui ne fait pas exactement la même chose que moi. Donc, c'est le bon match. T'as-tu rencontré déjà de l'application? De quoi? T'as-tu rencontré déjà avec l'application? Ouais. Oui! Attends, mais là, on drop name? Non, c'est le seul. J'aurais trop aimé. Je peux dire, en fait,
Le plus drôle, c'est qu'une fois, j'avais raconté dans un podcast aussi cette expérience, mais vraiment à un pote en plus. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, parce que c'était vraiment... Il y avait vraiment une sale histoire, en fait. Il y a vraiment une sale histoire. Vous voulez la connaître ou pas? Ben oui, oui, on veut la connaître, pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Ouais. Pour que tu le racontes. Donc, c'est un gars que j'ai rencontré sur cette appli. On a matché, ça marche exactement comme Tinder. Et ce mec, c'était un rugbyman. Ok. D'un club dans le sud de la France. Voilà. Je peux pas dire son nom. Mais le rugby au Québec, là, c'est pas... Le rugby, c'est... Ouais, c'est pas si... C'est pas l'équivalent si de hockey, grand. Je sais pas. Plus football américain. Ok. Ok. Ouais. Voilà. Okay. Et bref, on se rencontre. Et puis, je vais à Toulouse pour voir des amis une fois. Donc, du coup, j'ai dit la ville. Parfait. C'est pas grave. Et finalement, je décide d'aller voir ce gars par la même occasion. On se voit. On se chauffe. On ken, forcément. Attends, wow. C'était un peu... C'était les weekly, mais c'était le truc. Avoir du sexe, on se ken. Ouais. Okay. Ah, mais chacun ses expressions. Comment t'écris ça, on se ken? Pause. Est-ce que c'est du verlan? Ouais, c'est comme du verlan, en fait. Ouais, on snack? On snack? Mais neck, wow. C'est pas... Mais là, c'est ken. Okay, c'est K-E-N. Oh, on scan. Okay. On scan, ouais. OK, on scan. Puis ça veut dire avoir une relation sexuelle complète ou plus préliminaire, maintenant? Complète. Non, ça, c'est on se chauffe. Exact! Et voilà! Yes! Mais je trouve ça cool, ça, comme expérience. Ouais. Oh. Et puis, on continue à dater. Moi, je retourne chez moi. On continue à parler et tout. Je lui dis, bon, il était cool. Et puis, quelques semaines plus tard, il me propose de venir passer une semaine chez lui. Oui. Moi, j'étais en mode, bah... Au début, je pensais que c'était qu'un plan cul. J'ai dit, bah, OK, enfin... Oui, OK, allons-y, quoi. Je descends, donc je fais quand même le train, je descends et tout. Je vais chez lui et là, je sens que c'est un peu bizarre, genre... On ken, encore une fois. C'était le seul truc, d'ailleurs, pour lequel il était fait, hein, concrètement, à ce moment-là. Wow. C'était le seul truc que je voulais. Et puis, finalement... On parle et tout. Et là, le gars me dit, écoute, je dois aller chercher un colis à la poste. Donc, la poste, voilà. Je dois chercher un colis à la poste. Je te laisse, je reviens. Non. Okay. J'étais dans son appart. Hein. Il est jamais revenu. Quoi? Non. Il est jamais revenu chez lui? Non. Mais... Est-ce que tu comprends pas? Et ben, il est parti, OK? Il m'a laissé sur son canapé. OK? On venait de finir de ken. On a mangé. On regardait une série. Et il regardait son téléphone. Et quelques secondes plus tôt, genre quelques minutes plus tôt, j'avais capté sur sa terrasse qu'à ce moment-là, je fumais toujours. Je sors fumer une clope et je vois une cigarette avec du rouge à lèvres dessus, tu vois. Mais moi, je m'en foutais parce que j'étais pas là pour une relation, donc c'était pas grave. Et donc, je prends la cigarette, je rentre à l'intérieur de l'appart et je lui montre et je rigole avec lui. Et je lui dis, bah alors, tu m'avais pas dit qu'on était plusieurs. Mais vraiment, en rigolant, c'est vraiment, moi, j'étais pas... Et en fait, je pense qu'il a capté qu'il s'était fait choper, quoi. Et après, donc, il m'a dit, je vais à la poste récupérer mon colis, je crois. Il avait des crampons pour un match, aller récupérer je sais pas quoi. Et il est jamais revenu. T'as attendu combien de temps? Ben, j'ai attendu une heure. J'appelle un pote en me disant, mais attends, c'est pas possible. Donc, j'appelle mon meilleur ami à ce moment-là et je lui raconte le truc. Il me dit, non, mais casse-toi, c'est un mauvais truc, là, c'est pas bon, c'est bizarre. J'appelle mes potes qui habitent dans cette ville en disant, les gars, vous avez pas un endroit où je peux dormir ce soir? Parce que vraiment, genre là, j'ai plus de train, en fait. Il y a plus de train pour rentrer chez moi, c'est 4 heures de train, tu vois. Oh. Et en fait, il m'avait toujours pas renvoyé de message. Ça faisait déjà une heure qu'il était parti. Au bout d'une heure et demie, je reçois un message du gars qui me dit, désolé, c'est pas toi, c'est moi. Finalement, je suis pas prêt de me mettre dans une relation. Et moi, j'étais là. C'était ça alors que t'étais chez lui. J'étais chez lui. J'aurais pu tout casser. J'aurais pu prendre sa télé, la jeter contre le mur. J'aurais pu fouiller dans ses affaires. Si j'avais été une hystérique, genre une folle dingue, j'aurais pu tout prendre et tout éclater. Le gars, il avait tout laissé, ses vêtements, ses montres, tout. Il me connaissait pas. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu faire n'importe quoi. Et le gars, il est juste jamais revenu parce que je sais pas, il avait juste pas les balls de venir me dire genre non, ça va pas le faire. Mais heureusement, je connaissais des gens dans cette ville pour m'accueillir, tu vois. Sinon, j'étais genre... J'en reviens pas. Ouais, sinon tu dors là puis t'attends le matin. Ouais, c'est ça, pour reprendre ton train, tu vois. T'es là, putain. Mais imagine si t'étais resté là. Mais c'est que... Le gars, il est devant l'appart, il est genre, vas-tu partir à un moment donné? Vas-tu partir parce que j'allais me coucher, là? Tu sais, mais toi, t'es là. Moi, je sais pas. Tout t'aurais attendu. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que moi, je demandais à mes copines après. Je leur disais, mais vous auriez fait quoi? Et elles m'ont toutes dit, mais j'aurais attendu. J'étais là, mais moi, je vais pas perdre mon temps. Non, c'est ça. Pour un gars qui a pas les couilles de venir me dire, finalement, je veux rien, en fait.
Ouais. Oh c'est donner un peu ce qu'il veut, là, de s'en aller. Mais je comprends. Je pense pas que j'aurais été game de rester non plus. Oh my God. C'était l'histoire. Ça, c'est la première fois que tu as utilisé cette application-là ou? Ah, c'était la seule et la dernière, ouais. Ah ouais, la seule et la dernière. Clairement. T'as-tu des amis que tu sais qui l'ont utilisé puis que ça a bien marché puis que c'est comme... Toutes mes amies qui l'ont utilisé, c'était que des plans cul. OK, ça a jamais donné... Donc, ça a jamais rien donné, histoire, quoi que ce soit. On n'a pas un couple famous. Non, pas à ma connaissance. Après, ça se trouve, oui. Mais moi, je... J'ai tellement hâte que le podcast finisse pour que tu t'inscrives sur ça. Je crois que je peux te parrainer. Attends. Rêve! C'est mon rêve, honnêtement. Mais je suis un peu en mode... Parce que... j'ai été juste avec des gens un peu du milieu. Non. Ben oui. Mes dernières relations, ça a tout le temps été des gens du milieu au Québec, là. Moins. Puis ça apporte une genre de pression de plus, je trouve. En tout cas, je sais pas. Ah ouais? Ben, ça... de bien paraître. Tu sais, on dirait que bien paraître pour. Non, mais ben. Non, mettons... on dirait que moi, ce serait le contraire. De dater quelqu'un qui te connaît, mais qui est pas dans le milieu. Là, t'as une pression, non? Ouais. Je sais pas. T'as-tu déjà fait ça? D'être quelqu'un qui... Ouais, qui était pas dans le milieu. Et en fait, c'était d'autant plus compliqué que lui, en fait, il était encore étudiant. Et donc, en fait, il gagnait pas sa vie. Et enfin, il venait de finir ses études, il devait trouver un boulot. Et en fait, moi, je supportais pas bosser à fond dans tout ce que je faisais et avec quelqu'un qui attendait le matin, tu vois, qui m'attendait toute la journée en fait. Et, et il attendait sur moi pour tout. Enfin, on en est arrivé à un stade où il payait même plus le loyer, il payait rien. Genre, il prenait même plus la peine quand on allait au resto de sortir sa carte, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai fait bon. Ah non, c'est. Non. Puis, t'as commencé à vivre de ça depuis quel âge, mettons? Je crois que j'ai commencé quand j'avais 16 ans à 18 ans, 19 ans. J'ai commencé à en vivre, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Fait que je travaille depuis longtemps, quand même. Donc, je pouvais pas être avec quelqu'un qui attendait gentiment que je paye tout. Tu vois. C'est pas possible. Vas-y. Non, je veux dire, est-ce que tu veux continuer ça? Est-ce que t'aimes ça, faire ça encore, même après tant d'années? Je pense que j'aime pas ce que ça devient. Parce que ça me ressemble plus. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai fait plein de sacrifices en fait, pour les plateformes, que ce soit YouTube, Insta, tout. Et que c'est difficile de rester en concurrence en fait, avec des gens qui vont toujours donner plus ou des choses que moi, je ne suis pas capable de donner, tu vois. OnlyFans, non? C'est un job. C'est un porte de sortie. Non, mais tu vois, genre OnlyFans, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je trouve ça grave cool. Si j'avais les balls, franchement, peut-être je le ferais. Mais je crois juste qu'en fait, c'est quelque chose que j'oserais jamais faire, donc je vais pas le faire. Pour autant, je crache pas sur les gens qui le font parce que tu fais ce que tu veux de ton corps, en fait, en vrai, on s'en fout. Aussi. Mais toi, tu le fais sur OnlyFans, tu vois. Mais t'as des meufs, elles le font sur Insta. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et en fait, quand tu fais ça, t'es en mode, mais je peux pas concurrencer, en fait. Moi, je peux pas concurrencer avec ce genre de nanas. C'est impossible, en fait. Je peux pas. Donc, t'es là et t'attends que ça passe et tu te dis, ben, il y a un moment où effectivement les gens ils en auront marre, tu vois. Vous n'avez pas nécessairement le même public cible, tu sais. Bien sûr que non. Mais, je veux dire, il y a un moment, quand tu regardes juste en termes de ratio de likes, c'est toujours clair. Ce genre de meuf, pas que bien sûr, hein, mais meuf, gars d'ailleurs. Mais il y a toujours des gens en fait qui vont pousser le truc hyper loin pour avoir plus de likes et que toi, c'est des barrières que tu vas pas franchir en fait. Puis là, il y a un nouveau stade qui est atteint, puis là, il faut dépasser. C'est ça, ouais. Ben non, mais en même temps, je pense que les gens, ils t'aiment pour ce que tu... les valeurs que toi, tu t'es, t'as des choses que tu irais pas plus loin. Puis c'est pour ça que les gens t'aiment aussi, là. Ouais, mais tu sais, il y a un moment aussi où il faut accepter que, comme on disait, enfin ça fait 12 ans maintenant. Ouais. Et je crois, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies, quoi. Ouais, c'est clair. Là, genre, je sens que j'arrive un petit peu sur le moment où je me dis, bon... Peut-être falloir faire autre chose. Mais toujours faire dans le même truc. Je me suis lancée sur Twitch, j'adore. Juste, il y a des plateformes qui sont beaucoup plus adaptées à qui je suis, je pense. Et simplement que les plateformes aujourd'hui, genre Instagram, YouTube, ça me ressemble beaucoup moins. Et c'est pas grave, tu vois, c'est OK. C'est juste, il faut maintenant trouver le chemin. Ça fait 12 ans, c'est ça qu'on a tout le temps fait, là. TikTok, t'as essayé? TikTok? Ouais.
J'y suis parce que tout le monde y est. Ouais. Mais en fait, en vrai, je poste pas de contenu exclusif à TikTok. Le contenu que je vais poster, ce sera sur les Reels, sur Insta. Okay. Puis après, je vais le poster sur TikTok. Mais okay. Tu sens qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent voir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu sais, tous les contenus que les gens veulent voir, c'est des contenus un peu Kleenex. Tu le regardes une fois et puis après, hop, c'est fini. Mm-hmm. Au bout de 5 minutes, t'en as marre. Les gens, ils prennent plus beaucoup le temps de se poser devant une vidéo, de, tu vois, d'avoir une discussion, de prendre le temps de regarder un truc. J'ai l'impression que les gens, ils ont plus envie de ça. C'est vrai. Ben, c'est coup, rapide, là. C'est... Mon chum est sur TikTok. Moi, je comprends rien là-dedans. C'est ben trop vite, là. Hey, c'est, voilà. Moi, je, c'est le contraire. J'aime ça, que ça soit plus long, là. Faut comprendre quelque chose, là. Ouais. Mais c'est ça, tu dois t'adapter, quoi. Ouais. Mais pour autant, je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire, mais il faut juste... des fois, il ne faut pas prendre les trucs trop personnellement. Et moi, l'année dernière, pendant le Covid, je prenais grave à cœur les statistiques, tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est trop le danger du métier qu'on fait. C'est à un moment, t'as beau dire « Ouais, non, je tomberai jamais dans les stats », il y a quand même un moment où tu... Vraiment, c'est déprimant. Où c'est déprimant, tu tombes dedans et t'es là « Waouh, mais pourquoi, en fait ?» Et ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des fois où t'as passé proche de plus respecter ta limite pour avoir des views ou avoir des... Ouais. Ouais. Puis tu l'as pas fait ? Non. Ou tu l'as jamais fait ? C'est quoi ta limite ? Montrer en fait, tout nu, ça? Hein? Tu t'as montré tout nu? Ouais, ça, t'as jamais ça. Fait non, ça? Non, j'ai jamais fait ça. Tu vois, et d'ailleurs, je vais te montrer un truc, bah, tu sais... Toi, plus, tout nu. Exemple, non, ça, je peux te montrer ça. Mais un exemple, genre, très, très flagrant, tu vois. Je poste jamais des photos, genre, trop révélatrices sur mon Insta, juste parce que c'est pas un truc que j'ai fait, et ces photos-là, je les garde pour mon mec, ou... Bref, j'ai posté ça. Au moins. C'est pas ouf, tu vois. Mais c'est OK. C'est sexy. Si tu savais les commentaires... C'est vrai? Ouais. C'est, genre, c'est une photo avec un petit chandail vert. Tout le monde voit. Ouais, mais t'en vois un peu. C'est genre ultra vulgaire, ça te ressemble pas. Et en fait, les gens pensent savoir ce qui me ressemble ou pas par rapport à ce que j'ai toujours montré sur les réseaux. Ouais, c'est clair. Donc en fait, j'en arrive à un stade où je peux plus montrer qui je suis vraiment. Puis t'as pas le droit d'évoluer. Non, j'ai pas le droit de grandir. C'est ça, c'est la fête de 16 ans encore. C'est ça. Fait des vlogs. Exactement. Ah, my God. Ben oui, parce que quand ils t'ont connu, t'étais comme ça. Ouais, fait que les autres, c'est cette personne-là. Ouais, mais ces gens-là, ils évoluent-tu, eux? Ouais. Ou comme... Excuse-moi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Wow. Non, mais j'ai l'impression que c'est plus typique français, ça. Je crois que c'est très français. Ah ouais? Ouais. Le slut-shaming, un peu? Ouais. Mais je peux pas m'avancer... Puis comme en parlant de français puis de whatever, j'ai un autre sujet, mais je veux juste savoir, est-ce que moi je me suis fait dire qu'en France la sexualité c'est pas quelque chose qui est tu sais les sex toys, toutes ces affaires là, c'est pas quelque chose qui est full qu'on en parle ben beaucoup sans tabou, c'est encore tabou beaucoup. Ben, je veux pas parler pour tout le monde parce que en général ouais, c'est pas un sujet qui est très abordé, mais tu le vois en fait, même juste au niveau de l'influence sur les réseaux sociaux, il y a très très peu de personnes qui acceptent en fait de parler de sextoy, qui acceptent de parler de sexualité, enfin vraiment pas beaucoup en fait. Et s'ils le font, c'est toujours, tu sais, sur le ton toujours un peu de l'humour, comme si ça allait faire passer le truc plus simplement, alors qu'en fait c'est un sujet comme un autre, tu sais. T'as des meufs qui vendent des rouges à lèvres, t'en as d'autres qui vendent des sextoys, et c'est ok, tu devrais en parler de la même manière, mais il y en a qui lui en parlent pas de la même manière parce que juste elles savent que c'est un peu tabou. Mais ouais, c'est pas un truc en fait qui est... C'est pas comme ici, vraiment, où là, ça fait que 2 semaines que je suis là et j'ai l'impression de vivre ma best life parce que c'est hyper libéré et c'est beaucoup plus cool. C'est vrai qu'en France, faut attendre quand même un petit peu de connaître quelqu'un rien qu'avant de parler d'un sextoy, et encore, tu sais que tu peux pas en parler à tout le monde, tu vois. Ah ouais! C'est ultra, ouais, c'est pas... Joannie, c'est pas sa réalité. Et c'est quoi? Est-ce que tu peux parler de sexualité avec tes parents, genre? Ou... Ça dépend des familles. Ouais. Okay. Moi, oui, j'en ai parlé depuis toute petite, ça m'a jamais posé aucun problème, et heureusement que je l'ai fait, sinon je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas parlé de sexualité avec ma famille. Après, il y a bien sûr des barrières qu'on ne franchit pas. Non, clairement, mais... Mais ouais. Ouais. Ça, c'est OK, mais ça dépend des familles. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent, qui me disent « Mais moi, c'est impossible. Je vois pas comment faire. » Tu sais, les gens, ils n'y arrivent pas, quoi. Puis, Excuse-moi, j'ai tellement de questions. Vas-y, je suis là pour ça. C'est quoi la culture du dating, un peu, tu sais? Est-ce que... Parce que... c'était ça ma question tantôt, là, t'as parlé que comme ton ex sortait pas nécessairement sa carte genre pour payer ou peu importe. Est-ce que vous avez des trucs quand même établis de comme OK, le gars devrait payer, le gars devrait t'ouvrir la porte, tu sais, genre est-ce que il y a des espèces de manières? Ça, c'est un truc que je pense tout le monde pense de la France, qu'on est hyper romantique et tout, mais c'est pas non, c'est pas vrai.
dans la majeure partie des cas, c'est les mecs qui font le premier pas, c'est vrai. Les filles sont plus à attendre. Genre en boîte, tu vas avoir une table de mecs, une table de filles. Tu sais d'office que c'est les mecs qui se lèveront pour aller voir les meufs tout le temps. Ouais, hein. Ici, je sais que c'est l'inverse. Ouais. Non, ouais. Moi, si je te veux, je m'en viens. Voilà, c'est ça. Ici, je sais que c'est l'inverse. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Après, en France, t'en as. Hein, tu vois, t'as des filles qui font toujours le premier pas. Moi, c'est plus ma personnalité. Enfin, c'est tous les mecs avec qui je suis sortie, c'est toujours moi qui suis allée. Mais parce que ça, c'est comment moi je suis. Ouais. Impatiente. mais ouais, en France, oui, t'as des trucs à respecter. Je sais qu'il y a plein de filles qui veulent pas. Qui veulent pas date quelqu'un, faut qu'ils veulent rien faire avant le troisième, quatrième, cinquième date, ouais. Avant un certain taux d'exigence. Mais encore une fois, c'est propre. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Mais en tout cas, oui, pour sûr, c'est rarement les filles. C'est moins souvent les filles en France qui font le premier pas que ici, par exemple. Hmm. Tu dis que depuis que t'es au Québec, tu vis ta best life. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi la différence qui fait que tu vis ta best life ici que tu vois pas en France? Mettons, je suis quand même curieuse. Les gens sont gentils. Ouais. Non, mais c'est vraiment pas une blague, franchement. Et déjà, j'avais vu la différence. Donc, moi, je suis française, j'habite en Belgique. Déjà, rien qu'en Belgique, tu sens la différence. Les gens sont quand même plus sympas. Mais ici, c'est next step. Vraiment, juste, les gens sont gentils. Mmh. Et personne te juge, en fait. Tu peux arriver... Enfin, j'ai pas eu la sensation une seule fois ici qu'on m'a jugé, qu'on m'a dévisagé, qu'on m'a mal regardé, qu'on a jugé mes vêtements, ma gueule, rien en fait. Mmh, mmh. Ici, j'ai vraiment la sensation que tu peux parler de tout sans que les gens aient vraiment d'arrière-pensée. Mmh. Et ça, c'est assez libérateur en fait, tu vois. Là, je vous ai montré mon Insta tout à l'heure, vous ne connaissiez pas. Mmh. Vous avez fait « Wow, bah, je vais te follow ». Tu sais qu'en France, ce n'est pas comme ça. Hein. Ah ouais. Non, ouais. C'est genre « Ah, tu fais ça ». Okay. Un peu snob, ouais. Genre. Non, c'est genre, ok, bah ouais, d'accord. Donc d'office, donc, si t'as 5 millions, c'est que t'es une connasse et que forcément t'as sucé pour en arriver là, quoi. Waouh! Wow! Ah. Wow. Si c'est juste ça que ça prend, j'aurais plus d'abonnés. C'était parfait. Est-ce que c'est par le jugement des autres que t'as jamais voulu parler de sexualité en ligne? Je pense, ouais. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, c'est la première fois en 12 ans qu'elle parle de sexualité sur Internet. Moi, j'ai ultra down. Ouais, vraiment, là. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment genre. Tu sais, avant, j'étais blonde. Je sais pas si tu te souviens, j'étais blonde. Mais oui, je ressemblais vraiment à une Barbie, tu vois. Vraiment. Oui, très jolie. Ouais, mais j'ai changé, tu vois. Maintenant, je suis brune, j'ai les cheveux courts. Et bref, hein, j'ai pas mal changé. Mais les gens, encore une fois, ils pensent vraiment que je suis restée à cet âge-là de 16 ans, petite mignonne, qui parle de trucs très futiles, maquillage, tout ça et tout. Sauf que c'est pas qui je suis maintenant aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est que il y a pas plein de gens qui sont restés bloqués. Et quand t'essayes d'évoluer, tu sens que t'as comme un boulet. Et tu sais que les gens vont le juger si tu commences à en parler. C'est « Ah, elle en parle parce que ça fait du buzz, parce que ça fait du clic ». Donc en fait, t'oses plus rien faire, t'oses plus rien dire. Parce que tu te dis « Mais en fait, dès que je vais faire un truc, les gens vont dire que c'est pour le clout, tu vois. Je peux rien faire, en fait. » Ah, ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me dis. En fait, c'est pour ça que quand tu m'as proposé, je me dis oui, bah, s'il y a bien un endroit où je peux parler de sexe, c'est là, tu vois. Certainement. Parce que clairement, je sais qu'en France, c'est pas. Ah. Ouais. Ouais. Est-ce qu'en France, c'est comme commun d'utiliser des sextoys au lit? Dans les relations. Dans les relations, ouais. Je crois que ça dépend des gens. Encore une fois. C'est okay. Parce que tu vois. Mais ça, c'est pour tout. C'est pas qu'en France, je pense que c'est partout. Ça dépend vraiment des couples. Mais je pense que ça dépend dans l'environnement dans lequel t'as évolué, dans lequel t'as grandi et les conversations que t'as pu avoir avec les gens. Moi, toutes mes potes qui utilisent des sextoys, elles en utilisent pas quand elles sont avec leur mec. Elles le font solo. Jamais avec leur gars. Ok, c'est pas rendu tant populaire ensemble. Parce que le gars serait comme intimidé, genre, pourquoi tu sors ça? Ouais, c'est plus ça, c'est plus de dire, donc en fait, si t'as besoin de ça, c'est que moi, je te suffis pas. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est un challenge, en fait, de faire comprendre à l'autre que ça peut aussi lui procurer du plaisir. Tu vois, c'est le truc où tu dois lui expliquer, parce que des fois, il est là, genre. J'ai l'impression que les mecs, ils font genre, ils s'intéressent fort à la sexualité, mais en fait, c'est les filles qui s'y intéressent beaucoup plus, tu vois. Et moi, le nombre de recherches que j'ai fait pour essayer de comprendre comment mon corps fonctionnait par rapport au gars, tu vois. C'est vrai. Comme... Ben oui, s'il te plaît. Des expérimentations, écoute. Non, mais même, genre, je me suis renseignée, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai parlé avec plein de nanas. En fait, je me suis juste renseignée. Je parlais avec des meufs autour de moi qui étaient pas... Elles étaient choquées que je leur parle de cul, tu vois, parce qu'elles en parlent jamais. Mm.
Et juste pour essayer de comprendre, en fait, tu vois, ce qui se joue aussi quand on est une nana et quand on aime le cul, mais c'est vachement dur, en fait, d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, d'office, tu passes pour une pute ou tu passes pour... Oh my God. C'est vraiment trash. Ouais, c'est un peu trash. Ouais, hein. Ouais, c'est... Des ménages aussi. Ouais, je veux venir vivre ici. Est-ce que t'as déjà eu du sexe avec un Québécois? Non. Ah. Non. J'ai dû réfléchir quand même. Est-ce que tu veux nous faire un genre de protocole, comment ça se passe, le sexe avec un homme français? Oui! Le portrait bonjour du typique français. Bye bye, là. Ah oui, c'est bon, ça. OK. Ben, c'est sûr, ça dépend, mais... Genre un one night, quoi. Ouais. C'est mon rêve. Je suis en train de vivre le rêve. Attends, je réfléchis. Est-ce que ça implique moi dans mon état sobre ou moi dans mon état pas sobre? Parce que ça n'a pas grand-chose. Ça, c'est vraiment différent. Ah ouais, hein? Ouais. Mais attends, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Rien de spécial. Mais c'est juste qu'en gros, on va dire que... Je réfléchis à quel exemple je vais prendre. Généralement, ça se fait plus dans les nightclubs, je dirais. Je pense que clairement, ici en France, quand tu veux juste un truc d'un soir, c'est soit dans les nightclubs, soit dans les bars. Okay. Rien, tu rencontres quelqu'un, tu danses un peu avec, tu te payes 2-3 verres, et tu te chauffes, tu t'embrasses, tu vois comment ça se passe. Si le gars est pas trop bourré, ce qui est généralement le cas, parce que généralement, les mecs savent pas trop se tenir des fois en bois. T'es là, genre, ok, super. Tu vois, c'est soit ça termine à l'hôtel, soit chez l'un, soit chez l'autre. À l'hôtel, hein? Ben ouais. Ok. Ouais. En fait, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent pas aller chez l'un ou chez l'autre parce qu'ils flippent. Tu vois, ils ont juste peur de se dire, en fait, tu sais pas chez qui tu vas tomber, tu sais pas. Tu sais, c'est toujours un peu. Je dirais que c'est toujours un peu bizarre. Donc, je pense. Ah ouais, je veux pas nécessairement qu'elle ait ton adresse la première nuit. Ouais. Tu veux pas non plus que. Ah non, mais moi. Je devrais peut-être déménager. Mais moi aussi, je suis pas heureuse. Moi, j'aurais pas. Ah, mais moi, je préfère aller chez l'autre parce que je peux m'en aller quand je veux. Là. Ouais, mais ça, c'est si t'attaques pas. Je préfère que le monde vienne chez nous puis je peux les crisser dehors. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça plus gênant de crisser dehors quelqu'un. Pour que de toi, t'en aller. J'ai jamais mis quelqu'un dehors. Mais. Je suis vraiment, je les Mais j'ai jamais fait un moment à l'hôtel, là. Jamais. Et juste me pogner quelqu'un, on se loue une chambre, puis on fait du sexe. Jamais. Non, mais c'est pas en mode on se loue une chambre. C'est plus en mode, genre, moi, par exemple, toutes les fois vraiment là où ça m'est le plus arrivé, c'est quand j'étais pas chez moi, tu vois. Donc j'étais genre en déplacement dans une autre ville, en fait, tu vois, pour le taf ou pour X. Donc j'étais tout le temps à l'hôtel, tu vois. Mais moi, ça m'arrangeait. Parce que je fais pas venir quelqu'un chez moi que je connais pas. Parce que j'estime que mon lit. J'estime que mon lit, c'est vraiment c'est chez moi. C'est genre mon espace sacré. Et je te fais pas venir si je te connais pas, tu vois. Ouais. Donc, s'il doit se passer un truc, c'est soit, oui, effectivement, à l'hôtel comme ça, soit chez la personne à la rigueur. Mais ouais. Mais il y a pas forcément. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à qui, puis après. Juste avant le sexe. Hein. Est-ce que c'est vrai qu'ils parlent toutes? Est-ce que toutes les Français parlent? Ils font ça? Ah! Ah, mais toi, t'en as pas une. Non! Non, pas tous. Ouais, mais peut-être. J'ai l'impression que les hommes français pensent que les femmes québécoises sont comme tellement épanouies, puis ils peuvent tout faire au lit avec les femmes québécoises. Puis c'est comme peut-être. Yo, c'est le temps de dirty talk, puis c'est le temps de genre. Oh, ah ouais, tu la banal, sens bien ma grosse queue. C'est ça. Ah ouais? Mais c'est ça que j'ai. Des hommes français que j'ai côtoyés, c'est ce que j'ai compris. Comme quoi que ils pensaient que les femmes françaises étaient un peu plus comme réservées, puis que les Québécoises, on est tellement genre, on s'en fout. Je pense qu'ils ont ce cliché des Québécoises. Après, moi, perso, je suis pas tombée avec beaucoup de gars qui faisaient du dirty talk, vraiment. Oh non! Good. Non. Ah. Good for you. Ouais, c'est ça, tant mieux. Non. T'aimes ça? Ouais, des fois, je regrette que ça se passe pas comme ça. Je suis toujours obligée de forcer un peu le truc en me disant, bon... On se tait ou on se parle parce que... Qu'est-ce que tu dis au lit? Est-ce que tu veux nous le dire? Si t'es pas là, si c'est ta limite, on arrête là, mais j'aimerais c'est vraiment pas ça. J'espère que mon mec n'écoutera jamais ce podcast. Ça fait que Marie est une parleuse. Ouais, c'est oh! Non, en fait, je crois que j'aime plus qu'on me parle que toi que parler. Moi parler. Après, je répondrai toujours, forcément. Mais je crois que je préfère qu'on me parle. Mais ouais, j'ai... Qu'est-ce que t'aimes, mettons, ouais, te t'aimes faire dire? Tout quoi? Hey, on l'a fait un épisode juste sur ça, il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai bitché les Français tout le long. C'est vrai? Non, mais c'est parce que j'ai eu une expérience avec un Français. Que tu... En tout cas, quand tu... Qu'est-ce que t'aimes te faire dire? J'ai un petit doute, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'aller plus loin.
Qu'est-ce que tu connais? Elle connaît? Non, mais j'ai un micro doute. Mais t'inquiète, on en parlera à la fin de ce podcast. C'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aime dire? C'est ça? Qu'est-ce que t'aimes te faire dire, mettons, en général? Je sais pas, ce serait du genre t'es bonne, j'aime trop ce que tu fais, j'adore ton cul, blablabla. Ok, pas te faire genre ma salope. Non, ça j'aime pas. C'est un peu le truc genre tu peux me dire ce que tu veux, mais respecte-moi un minimum. Enfin, en fait, tu peux ne pas me respecter en faisant des trucs, tu vois. Mais pas. Hein? On ouvre une porte! Et voilà, une autre porte d'ouvrage. Mais pas genre, moi, les trucs genre salope, grossienne et tout, ça par contre. Hein, okay. Tu veux te faire respecter, fait que. C'est juste que j'estime. On peut te taper, mais pas te traiter de conne. C'est ça, tu vois. Oh. Exact. Mais tu peux pas me traiter de salope, tu peux pas me traiter de chienne. Parce que c'est pas ce que je suis, en fait, exact. Tu vois. Mais et tu peux te traiter comme telle. Mais moi, je peux me traiter comme je veux, oui. Je comprends. Parfait. Puis est-ce que. Est-ce que les hommes français en général, encore une fois, on généralise, mais est-ce qu'ils se soucient de l'orgasme féminin? Ou c'est un genre, bof, je viens, puis bye-bye. Ouais, c'est un peu ça. Ah ouais, hein? OK. Ah, bon. Rip. Fait que j'irai pas en France, finalement. Ben oui, en fait, ah, c'est vrai, j'ai un chum, puis j'ai un enfant! Regarde, j'ai oublié tout le temps! C'est comme j'irai pas en France. Non, mais je pense que c'est différent si c'est pour un coup d'un soir. Ouais, ouais. Ou si après, t'as quand même un crush pour la personne et tu te dis « Ah, ça pourrait peut-être aller plus loin. » Je sais pas, genre, si tu sens que t'aimes vraiment bien le mec ou la meuf, moi, je me dis « Ben oui, alors pourquoi pas aller plus loin, tu vois, essayer de construire une relation. » Et à ce moment-là, alors la personne va essayer, enfin, le gars essaiera plus de te faire jouir, tu vois. Mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas d'affect, ils le font pas. Instinctivement, ouais. En fait. Enfin, juste j'éjacule et puis ça. C'est un peu ça. Mais c'est pas de même qu'ils vont créer. En tout cas, je dis ça. Mais je sais pas, dans ma tête, tu me fais jouir la première nuit, j'ai le goût de te revoir, mais si. Mais je crois qu'ils ont pas. Tu sais, quand c'est vraiment des coups d'un soir, entre guillemets, ils ont pas. Coup d'un soir, c'est juste le goût. Ouais, ils ont pas forcément envie de te revoir. Donc c'est en mode, ben. C'est un peu. Les coups d'un soir, j'ai l'impression. Après, c'est mon expérience, mais j'ai l'impression que c'est chacun prend ce qu'il a à prendre. Et après, ciao, quoi, tu vois. C'est quoi votre perception des fréquentations, comme de coup d'un soir à sortir ensemble, mais on se fréquente un peu? Est-ce que vous faites ça aussi en France ou pas? Vraiment? Genre, entre les deux? Ouais, mais avoir un crush sur quelqu'un, puis là, avant d'être en couple, parce que nous, on est ça, là. On dit, on est en fréquentation. Comment on se fréquente? Avant que ce soit mon chum, on est en fréquentation. Ouais, bah oui, c'est la phase de dating, où tu te vois plusieurs fois avant de voir si ça va le faire ou pas. Ouais. Mais moi, j'essaye d'éviter ça au max. Ouais. Ouais. Parce que je me suis déjà retrouvée une fois dans une relation comme ça, où cette phase de fréquentation, elle a duré un an. Ouais. C'est ça le buzz. Et où en fait, j'étais là, bon, bah en fait, on fait quoi? On est quoi? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir ailleurs du coup? Parce que tu veux pas qu'on officialise, donc on fait comment? Et c'était toujours. J'avais un peu l'impression d'être toujours la meuf sous le coude, tu vois. Sous le coude? Ouais, sous le coude, bah genre au cas où. Ok, ouais. La roue de secours. Ouais, un peu la roue de secours comme ça. Et il me donnait toujours suffisamment pour que je reste. Mais jamais ce que je voulais, à savoir être en couple avec. Donc, moi, du coup, depuis ces périodes-là, je suis un peu genre. Bah, ça, ici aussi, hein, comme ça. Hein. J'évite un peu. En général, il y en a beaucoup. Je le fais genre une semaine, 10 jours, et si au bout de 10 jours, 15 jours, j'ai pas de vision sur ce qui va se passer, c'est genre, bon, ben, c'était chouette, mais. Au bout de 10 jours, tu voudrais que ça soit ton chum? Mais genre plus exclusif. Oui, mettons, exclusif. Au moins, qu'il y ait une évolution, qu'on ne voit pas d'autres moments. C'était que mon rêve. Je vais aller en France. Moi, si après 24 heures, ça peut être réglé, t'es le père de mes enfants. Non, mais pas à ce point. Mais c'est such a big deal, ici, de se mettre en couple ou c'est... Non. Ben, on a la fréquentation facile. Trois mois, à peu près. Deux mois. Tu peux fréquenter quelqu'un forever. J'ai l'impression que trois mois, c'est un bon chiffre, moi. Trois mois, moi, ça a tout le temps été à peu près ça. J'ai des ex que je suis même pas sûre si je peux dire que c'est des ex. Oui, c'est vrai qu'on a la fréquentation longue. Parce qu'en France, c'est plus tu te mets avec quelqu'un, tu dis que c'est ta copine ou ton mec, après ça dure trois mois et puis tu te sépares si ça va pas marcher, quoi. T'as-tu déjà été en quelque chose de super rapide comme ça publiquement? Non. Jamais publiquement? Non. J'ai toujours attendu de voir jusqu'où ça allait avant d'en parler. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu le fais, et je l'ai fait, une fois que tu fais une rupture sur Internet... Oh, c'est drainant, c'est sûr. Ouais.
Ouais. Oh. Je te feel, baby. Ben, que les gens, en fait, ils prennent parti. Genre, ils disent, ouais, c'est à cause de toi. Ouais, non, c'est à cause de lui. Puis les gens, ils se mettent dans ta relation et t'es là, putain, mais ta gueule. Mm-hmm. T'étais pas là, en fait, tu sais pas. Et on t'a montré que ce qu'on a bien voulu te montrer. Donc, en fait, enfin, tais-toi, une rupture, tu sais pas, c'est quoi. Tellement difficile, déjà, ouais. À la base. Que si en plus tu as dealé avec les commentaires, c'est terrible. Ouais. Donc c'est pour ça que j'attendais toujours un minimum avant de montrer, histoire de me dire bon. Là, ça fait combien de temps que t'étais avec ton chum? Ça va faire 3 ans. Puis ça fait combien de temps que vous êtes public avec votre relation maintenant? 2 ans. 2 ans? Ok. T'as quand même attendu un an. On a attendu un an, ouais. On a attendu un an. Moi, j'ai une question qui revient quand même beaucoup. C'est quoi votre rapport avec les poils? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les poils en France sont comme plus acceptés qu'ici. Ouais, ben là, en fait, il y a pas mal de mouvements. Et ça, c'est assez cool, en vrai. Il y a pas mal de mouvements sur les réseaux qui prônent le naturel aussi. Et de dire qu'en fait, c'est OK de pas vouloir avoir de poils. Mais c'est aussi totalement OK de vouloir les garder. Et que c'est pas parce que t'as des poils que t'es moins sexy, moins féminine. Et c'est cool que la parole se libère là-dessus. Parce que moi, je sais que quand j'étais à l'école, c'était genre, fallait absolument s'épiler. Enfin, c'était vraiment le truc comme ça. Mais en France, c'est un peu plus libéré par rapport à ça. Et ça commence à arriver. Mais bon, après, tu sais, t'as toujours des gens qui sont en mode, non, c'est dégueulasse. Non, moi, j'aime pas. Non, si, non, ça et tout. Mais non, j'ai l'impression que ça se libère un peu plus. Et de plus en plus souvent, tu vas croiser des meufs dans la rue qui seront genre en robe et qui seront pas épilées des jambes. Et ça fait du bien de voir ça. Tu te dis, mais en fait, c'est trop cool. Genre, merci de faire ça parce que moi, perso, j'aurais pas le courage de le faire, je pense. Et aussi parce que j'aime pas. Ça, c'est un goût personnel. Mais je suis trop contente, en fait, que de plus en plus, il y ait cette espèce de liberté des poils et de dire, ben, c'est... Ouais. C'est OK, tu vois. C'est pas sale, en fait. Mais ça commence ici aussi, je pense, tranquillement. Peut-être moins... Ouais. Je pense que ça dépend avec qui tu tiens, là. Bah, c'est ça, en fait. C'est toujours ça. C'est avec qui tu discutes de ça. En vrai, je trouve que ça se libère pas mal en France et c'est vraiment de plus en plus accepté. Ouais. Donc, c'est cool. C'est cool. Cool. Vraiment. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est vrai que les Français sont plus infidèles? Non. Ben, on se base sur quoi? Je sais parce pas. Parce que moi, je peux t'en nommer des Québécois, là. Ouais. Ben, non, simple. Là, Je sais pas, ouais. Ouais, si. Est-ce que c'est parce que là, j'essaie de faire un lien, là. Est-ce que c'est parce que, justement, vous officialisez le couple tellement rapidement? Il faut absolument se tromper. Non, mais tu sais, c'est comme, on se connaît à peine. Moi, c'est parce que je sais qu'après 3 mois, là, je commence à voir ta vraie personne, puis je commence à voir les aspects qui me tapent, c'est énorme, vraiment beaucoup. Ouais. Fait que si t'es déjà en couple à ce moment-là, peut-être que t'as plus le goût. Je trouve ça quand même fucked up de... OK, ça fait 2 semaines qu'on se connaît, là, on décide qu'on forme quelque chose. Tandis que j'ai des amitiés depuis des années que je peux même pas dire qu'on est si proche que ça, tu sais. Ouais. C'est quand même fucked up de choisir un compagnon de vie en 2 semaines. Oui, oui, oui. Mais c'est comme qu'elle dit, c'est que le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Ça fait mal au final. C'est... Moi, je vais pas m'imposer ce mal-là, là, qu'on se laisse au bout de 3 mois, tu sais. C'est la pression. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah, mais c'est parce que moi, je m'attache fort et rapidement. Ouais, mais on le salue. C'est... Non, c'est pas... En fait, je pense que c'est plus une manière de faire. Et du coup, quand t'es habitué à ça, tu... T'es un peu détaché. C'est ça. Ah ouais, hein? Penses-tu que c'est les réseaux qui t'ont désensibilisé aux relations? Ouais. Ah ouais! Toi, Lily? Bah oui. Tu sais, tu t'en prends tellement tout le temps plein la gueule pour plein de raisons, tu sais, sur les réseaux, que au final, dans les relations, tu t'investis un peu moins. Et moi, je sais qu'au début, ça m'a pris tellement de temps pour faire confiance à mon mec actuel. Ça m'a pris tellement de temps. J'osais rien dire, en fait. Je savais jamais, en me disant, mais attends, ça se trouve, dans 3 mois, le gars, il me quitte ou il me trompe. Et puis après, il va aller dire des trucs sur moi. Et c'est un peu dur, tu vois. C'est comme ta réputation en jeu, en plus. Là. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est... C'est pour ça que tu te dis 3 mois. Moi, en 3 mois, je dévoile rien, en fait. Donc, en 3 mois, c'est fun. On va au resto, on ken, on va en soirée. C'est cool, c'est marrant, c'est sympa. Mais pour que ça passe au next step, c'est plus long. Et si le gars, il veut pas passer au next step, bah, au moins, je me suis pas trop dévoilée. Donc, je risque rien, quoi. Donc, ouais. Mais ça va, je vais bien. Non, ça va. Ouais. Moi, ça me fait de la peine, on dirait, de se bloquer comme ça, genre. Ça me faisait de la peine. C'était dur quand j'étais plus jeune.
Mais maintenant, j'ai 26 ans et je pense que j'ai un rapport avec moi où je sais que pendant longtemps, je croyais que c'était moi le problème. J'ai vite compris que c'était pas moi, en fait. Et quand tu sais ça, tu prends du recul et quand tu connais ta vraie valeur, tu sais que souvent, le problème vient pas toujours de toi. Pas tout le temps. Des fois, oui, bien sûr, des fois, tu fais de la merde, mais pas tout le temps, quoi. Donc, non, ça va. T'as-tu déjà été avec une femme? C'est ça, je pensais. Juste moi, là, non? Oui? Ouais. Nice. Mais je l'ai jamais dit sur les réseaux. Non. Scoop. OK, ben, c'était comment? veux-tu savoir? Attends, mais OK. C'était-tu une date ou c'est vraiment en couple? Un plan cul, genre. T'as eu des émotions. Une quinte, je pense que c'était ni l'un ni l'autre. C'était pas juste une date et c'était pas juste un. C'est une fréquentation, comme. Pour le coup, c'était vraiment une fréquentation. Et voilà. Impossible de fréquenter une fille, mon rêve. Ouais. Ben, toi aussi. Non, non, elle, je pense. OK. Ah, oh, ouais. Ouais. Puis tu as jamais dit ça en ligne, jamais. Non, parce que. Je vais vraiment parler d'un truc qui est un peu genre un peu trash, je trouve. C'est que j'ai jamais parlé de ça parce qu'en fait, quand tu le fais maintenant avec toute la hype autour de la LGBTQ famille, tout ce que tu veux, tout ça, c'est trop bien. Enfin, je suis trop contente que tous les dialogues s'ouvrent autour de ça. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu parles genre de ton coming out comme bi ou tu vois ou que tu racontes tes expériences sexuelles avec n'importe quel genre ou n'importe qui, les gens vont te dire, surtout quand t'es sur les réseaux, uniquement quand t'es sur les réseaux, c'est « ouais, tu fais ça genre juste parce que c'est trendy, tu vois. » Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens. Et du coup, en fait, c'est le genre de truc que tu dis pas parce que tu dis « j'ai pas envie que les gens pensent que je le fais juste pour la hype. » Non, clairement. Parce qu'en plus, c'est vraiment un truc, c'est assez perso, tu vois. Donc, t'as pas envie que les gens sachent, t'as pas envie que les gens... viennent te dire que ouais, c'est juste pour la traîne et que dans un autre temps, tu l'aurais pas fait, tu l'aurais pas dit. Ce qui est vrai, en fait, parce que franchement, quand j'étais ado, pendant longtemps, je me suis cherchée jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que j'étais pas forcément dans le truc de dire genre j'aime que les garçons. Et au début, c'était un peu trash, j'étais en mode « Oh, ça peut arriver, ok. » Mais sur les réseaux, j'étais déjà sur YouTube, moi. Et conventionnellement, quand j'avais 17-18 ans... c'était plutôt pas hyper OK de dire que tu datais une meuf quand t'étais une meuf, tu vois. J'en reviens pas que tu peux pas, genre, être toi, puis qu'en ce moment, t'es comme un peu prise dans ta vieille... En tout cas, dans ton frame, mais quoi. Tu vois, je le suis on va dire, sur les réseaux, mais dans ma vie ou dans je ma sais, vie. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je le dis là, dans ce podcast, et c'est, voilà, c'est cool, mais... C'est cool que je le dise. Pas c'est cool en soi, mais... dans ma vie privée... Tout le monde le sait, tu vois. Ouais. C'est là où, en fait, les gens pensent tout savoir de toi sur les réseaux parce qu'ils pensent connaître toute ta vie. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils en connaissent même pas un dixième. Et c'est ça que je trouve excitant, moi. Ouais, ils connaissent ce que tu décides de montrer. Oui, exactement, tu vois. Et ça, c'est un truc... Et moi, c'est pour ça que les gens, à chaque fois, ils me disent « Ouais, de toute façon, t'es comme ci, t'es comme ça, ça se voit que t'es comme ci, t'es comme ça. » Mais en fait, tu me connais pas, tu vois. Donc, ouais. Mais je suis OK avec ça. Genre, je suis vraiment en paix avec ça maintenant. Parce que sinon, je continuerai pas, tu vois. Impossible. Toi, là, c'est pas de même, mettons. Toi, t'évolues dans... Puis y a personne qui te shame, là, qui te juge parce que tu changes, là? Ben, oui. Oui, mais oui, je pense que j'ai... je sais pas comment que je différencierais mon parcours. Je peux-tu te donner mon avis d'extérieur? Ouais, vas-y. Moi, j'ai l'impression que le personnage Lisanne Nadeau a toujours été... le portrait d'une personne super authentique et transparente, tu sais. Genre, la première fille à roter dans des vidéos YouTube, tu comprends, des enfants de même, puis c'était vraiment comme, c'était comme de la transparence, puis c'est pas grave, fait que peu importe ce que tu fais, on te le pardonne, kind of thing, tu sais. Ah, parce que c'est ça que ton... Parce que ton personnage, était ça, tu sais, au final. Ouais, peut-être. Tu sais, parce que, je veux dire, il y a quand même une différence entre... Ouais, c'était pas... Nadeau pis toi, je sais pas si tu comprends. Ouais, oui, non, terme, clairement. Mais c'est ça, fait que genre... Je pense que c'est ça, alors que tu prends d'autres influenceurs qui, comme, ce qu'ils ont décidé de montrer, c'est ça, puis d'être un peu plus, justement, dans une genre de boîte. Mais là, t'es pognée dans cette boîte-là, alors que toi, c'est comme, bof. Mais moi, je me souviens de toi, mettons, en 2010, là, t'étais pas nécessairement la plus féminine ou la plus... Tu sais, t'as tout le temps été un peu garçon manqué, entre guillemets. Ah, mais j'étais un vrai tomboy, hein. Ouais, mais c'est dans mes souvenirs. Ouais. Mais je le suis toujours, en fait, en vrai. Je suis toujours un peu entre les deux, quoi. C'est pour ça que t'as posé la question. Ouais, mais dans le sens que, tu sais, ouais.
t'avais pas nécessairement le cliché de la beauty gourou. Mais en fait, cas, je sais pas. L'avais pas. Et je le suis devenue. C'est ça. C'est qu'il y a comme il y a un step, genre. Ouais, c'est trop bizarre. Ben, je l'avais pas, parce que j'étais pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, avant de commencer les tutos sur YouTube, je me maquillais pas beaucoup, en fait. C'était pas trop mon truc. Et je l'ai un peu fait pour rentrer dans le moule. Ah, c'est ça. Mais parce que, tu sais, à ce moment-là, quand j'ai commencé les vidéos, c'était parce que j'étais harcelée à l'école. Ouais, je me souviens. Et donc, du coup, j'avais juste envie, en fait, de trouver un safe place où, genre, juste, on allait pouvoir parler d'un sujet un peu futile et ça allait être cool. Donc, j'ai pris le make-up et j'aimais bien ça un petit peu, mais sans plus. Mais après, je suis vraiment rentrée dans ce truc de beauty guru parce que c'était ce qui marchait aussi à ce moment-là. Et puis, en fait, moi, je voyais pas d'autres perspectives. En fait, si je voulais être sur YouTube à ce moment-là, je voyais pas, en fait, d'autres choses que je pouvais faire. Donc, je me suis vraiment mise là-dedans. En a découlé ben, les cheveux longs, blonds, la tête de Barbie et tout. Qu'aujourd'hui, les gens sont très nostalgiques de cette période-là. Ouais. Alors que moi, genre, quand je me revois à ce moment-là... Tu te reconnais pas? Non. Mais c'est ça, en plus, t'es en train de grandir, tu sais, je veux dire, n'importe qui, là, genre, qui a pas nécessairement grandi sous l'œil du public, n'importe qui est en train de grandir se cherche, puis moi, je regarde des photos de moi, puis je suis comme, who the fuck is this, c'est là? C'est vrai. Tu sais, fait que t'imagines avoir en plus un regard, c'est... Ben, en fait... C'était... Ouais. Non. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu grandis sur Internet, ta construction personnelle passe par le regard des autres. Ben oui, c'est ça. Et du coup, moi, quand j'ai recommencé à me chercher, à redevenir en fait un peu qui j'étais vraiment au fond de moi, c'était hyper dur. J'avais comme un espèce de conflit intérieur constant entre qui je suis vraiment et ce que les gens veulent que je sois. Et des fois, tu crois que t'aimes un truc, alors qu'en fait, en vrai, tu l'aimes pas vraiment. Mais tu t'es tellement persuadée que tu l'aimais parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent de toi, que tu crois vraiment que c'est le cas, tu vois. Est-ce que ça a eu des impacts dans tes relations amoureuses? Amoureuses, amicales, tout. Parce que toujours en train de stresser de ce que les gens vont dire de toi, de ce que tu représentes, de ce que tu remontes comme image. C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu as un peu l'impression qu'il y a... Je ne vais pas dire ça, ça va sonner un peu déprimant, mais qu'il n'y a rien de vrai? Genre, parce que on a tellement été dans le rapide puis le futile puis le changement que comme on dirait qu'il y a plus rien de vrai, genre même les amitiés, les relations, c'est comme c'est pas ça que je veux dire, mais juste que ça fait que ça rend comme tout flou, tout un brouillard, tout genre un vertige, non? Ça te donne pas le vertige? Ben, l'exemple que Will donnait l'autre fois, là, que t'étais en train de jouer à un jeu vidéo de toi, là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, je veux dire. Est-ce que t'as l'impression que t'es en train de jouer à un jeu vidéo de toi, des fois? Ouais. C'est ça. Ouais, bien sûr. Après, c'est pour ça que c'est important de garder vraiment une partie privée, hyper privée. Parce que c'est le seul truc auquel tu peux te rattacher quand tu sens que tu t'engouffres, en fait, et que ça va pas. Mais des fois, après, moi, je dirais pas que je suis pas vraie sur les réseaux. Il y a eu un moment où je l'ai pas été. Maintenant, j'essaye de l'être parce que j'en peux plus, en fait. C'est trop fatigant de jouer un rôle. Ah, c'est clair. C'est trop fatigant de prétendre que ça va quand ça va pas. C'est vraiment, genre, c'est épuisant. Mais il y a des jours où je fais plus la différence entre Enjoy Phoenix et Marie. Et là, c'est vraiment dur. Et que même mon mec, il est là, il essaye de me secouer en me disant « Maintenant, t'arrêtes. » Et c'est vraiment dur. Ah ouais. T'as-tu un exemple? Ouais, dans le concret, mettons. Ouais, j'ai un exemple, genre... Il y a peut-être 2 semaines, on était déjà là. On venait à peine d'arriver à Montréal, OK? Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'ai subi une vague de haine un peu violente. Des fois, ça arrive comme ça, tu sais, genre... Ça passe comme ça. Et on était censé avoir un programme de ouf pendant toute la journée. On avait pris plein de trucs, tu vois, des trucs vraiment cool, genre juste se préparer et aller se balader, prendre un brunch, juste avoir une bonne journée. Et j'ai passé littéralement 5 heures sur Twitter à regarder ce que les gens disaient de moi. Et je suis restée 5 heures à pleurer comme une conne dans le lit, alors que mon mec me disait « Marie, lâche ça, on sort ».
va prendre une douche, on sort. Et vraiment, je restais bloquée comme ça dans ce truc de... Mais c'est vrai ce qu'ils disent et c'est pas vrai ce qu'ils disent. Et lui, mais il était là, mais tu arrêtes en fait. Parce que lui, il me connaît dans la vie. Il me disait, mais t'es, arrête de croire ce que les gens te disent comme ça, c'est pas bon pour toi. Et comme je disais, il y a un moment où t'es tellement en fait dans ce truc tout le temps que quand les gens te disent des trucs comme ça, tu crois que c'est vrai, tu sais. Ouais. T'es vraiment là, tu dis, mais attends, je suis vraiment comme ça. Genre, ouais, c'est vraiment ça que je renvoie. C'est le poids de plein de gens qui disent des trucs. Fait qu'au final, tu sais, même si toi, au fond de toi, tu le sais que c'est pas vrai, t'as plein de gens qui disent ça. C'est ça. Mais ils se complaisent, en fait, dans ce truc, tu vois. Ils sont pas beaucoup, en fait. Mais ils disent toujours la même chose. Et comme ils adorent et qu'ils voient que ça fonctionne, parce qu'ils sont tous dans cette espèce d'émulation à détester quelqu'un et à dire la même chose tout le temps, que du coup, ils adorent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont de la force. Donc, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Ils sont beaucoup plus vocales ils sont beaucoup plus vocales, en fait, que les gens cool, tu vois, qui te suivent et qui sont là juste pour... parce qu'ils t'aiment, tu vois. On peut pas, mettons, tu sais, les bloquer, ces personnes-là. Tu sais, Twitter, tu peux pas bloquer. Hein. Ah non? Bah, tu peux bloquer quelqu'un sur Twitter, mais ça les empêche pas de voir ce que tu fais sur les autres réseaux. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, t'es bloqué partout. Tu sais, bah oui, c'est de la job. Ouais, je sais. Ouais, mon Dieu. Comment tu fais pour te... Je demande ça pour moi. Aide-moi. On parle pas de sexe, en fait. C'est non, cool. C'est... non, mais ça revient à ça un peu. Là. Mais... comment que tu fais pour te rappeler que à la fin de la journée... Ouais! Parce que j'ai bien de la misère avec ça. Puis si t'as des trucs, man, I wanna know. Genre, comment tu fais pour te dire, OK, l'opinion que j'ai de moi est la bonne, puis c'est correct, puis c'est pas grave ce que les gens pensent. C'est dur, là. Ah, c'est pas facile. Hein. J'ai pas, en vrai, j'ai même pas de conseils, parce que j'essaye, moi, tous les jours de le faire. Ok, c'est plus un truc holistique, tu vois. C'est de se dire... moi, je pars du principe que s'il se passe un truc dans ta vie, c'est pour une bonne raison. Et je refuse de rester dans les mêmes schémas perpétuels de ce qui m'arrive, tu vois. Quand j'étais à l'école, je me suis fait harceler. Là, maintenant que je suis sur les réseaux, ça recommence. C'est fatigant. Et en fait, je me dis que si ça arrive, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose que je dois régler avec moi. Et je sais pas encore ce que c'est, mais je vais trouver. Et je suis plus d'histoire de me dire... À la fin de la journée, quand tu coupes ton téléphone, il te reste que toi et toi, tu vois. Il te reste que toi avec toi-même et puis avec les gens avec qui tu partages ta vie. Mais les gens, en fait, qui donnent leur opinion, dès lors que tu t'éteins ton téléphone, ils sont pas chez toi. Tu lèves la tête, tu regardes, t'es dans ton lit, t'es dans ton canapé, y a personne dans ton appart. Y a que toi, en fait. Donc, en fait, finalement, leur avis compte pas vraiment. C'est ce que j'essaye de me dire. Ouais. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est vrai. Ouais, c'est une vraie expression française. Je vous ai vu rigoler. Mais c'est vrai, en fait, c'est juste de se dire qu'à la fin de la journée, t'es avec toi et tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, tu sais où sont tes valeurs. Et je pense que c'est important d'être super bien entouré aussi. Et tu vois, moi, il y a des amitiés que j'ai que je partagerai jamais sur les réseaux. Parce que je sais qu'elles sont tellement précieuses que je veux vraiment pas que les gens aient accès, ne serait-ce qu'au visage de mes amis, tu vois. Parce que je me dis, mais c'est trop important et il faut vraiment garder cette séparation. Et des fois, c'est tentant parce que je sais que les gens adorent voir l'envers du décor, ils adorent voir la vie privée, ils adorent voir tout ce que tu fais. Mais il y a des trucs que j'arrive pas en fait à montrer parce que je me dis, non, là, si je franchis cette barrière, c'est fini. Genre là, c'est terminé. Et le peu de fois où je l'ai fait, ça s'est toujours fini dans le drame, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Tu veux pas aussi faire vivre aussi des situations à tes amis que t'aimes, ouais, genre qu'eux, ils vivent des choses que du jugement, la part des... c'est gros. Mais les réseaux sociaux, c'est fucked up, hein. C'est vraiment... Tu regardes ton écran, fait qu'on dirait que tu te permets tout. T'es là, t'es le let's go, parce que... Mais en face, c'est pas des choses que les gens diraient, puis ils penseraient peut-être même pas ça, tu sais. Non, mais c'est... Et c'est la même chose pour, tout. Tu te rends vraiment compte que les réseaux, c'est pas la réalité de la vie. Et vraiment, il y a des choses, effectivement, que tu te permettrais pas de dire en face de quelqu'un. Il y a des choses aussi que tu te permettrais pas de faire. Et moi, je m'en rends compte au quotidien quand je vois des gens, en fait, un exemple très, 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 très flagrant. Un jour, je me balade dans la rue, je tombe sur une bande de filles qui me reconnaissent. Elles veulent prendre des photos avec moi. Je dis oui, on fait des photos. Elles disent, ah, merci, j'adore ce que tu fais, je regarde toutes tes vidéos. Le soir, je rentre. Et là, je suis taguée, en fait, sur Twitter. Ces meufs postent les photos en disant « PTDR, Enjoy Phoenix, cette grosse conne, nanana ». Elles ont pris le temps de s'arrêter, de faire des photos avec moi, de me dire qu'elles adoraient ce que je faisais, qu'elles adoraient mes vidéos, tout ce que tu veux. Elles sont rentrées le soir, elles sont allées sur Twitter. Elles ont posté ça en disant que, genre, elles me détestaient.
qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, en fait, t'es là, et moi, j'ai même pas été triste, en fait. J'ai été triste pour elle. Où je me suis vraiment dit, mais putain. T'as pris le temps de faire ça? Oh, mais moi, quelqu'un que j'aime pas, je te jure, quelqu'un que j'aime pas, je le suis pas sur les réseaux. Je regarde pas ce qu'il fait. Exact. Je perds pas mon temps à regarder tous ces moindres faits et gestes. J'ai pas le temps, en fait. Et même si j'avais le temps, c'est toxique. J'ai pas envie de ça. Ouais, mais il y a des gens qui se nourrissent de haine, là, puis c'est parce qu'ils sont tellement pas bien avec eux. Je vais le dire, là. C'est ça, là, au final, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, c'est d'être dans l'air. Ouais, il y a aussi beaucoup de jalousie aussi là-dedans. C'est ça, ils sont tous pas bien avec eux. Ouais. Ça part tout de là. Ouais. Parce que si demain matin, ces filles-là commencent à faire le métier que tu fais, c'est l'envers de la médaille, là. Puis ils voudront pas recevoir de hate, puis ils voudront pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Après, je pense que, tu sais, pendant longtemps, j'ai toujours dit, et mes proches m'ont toujours dit, ouais, c'est que de la jalousie. Mais je suis pas d'accord, en fait. Je pense, en fait. Juste... Non, mais tu sais, c'est souvent le truc où les gens disent, ouais, c'est parce qu'elle est jalouse ou parce qu'il est jaloux. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont jaloux, mais je pense qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Mm. Et ça, on le dit jamais. On n'ose jamais dire qu'il y a des gens méchants, mais c'est la vérité. Il y a des gens, ils ont juste un mauvais fond. C'est juste pas des bonnes personnes. Ouais. C'est tout, en fait. C'est vrai. Et c'est même pas la jalousie, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout jaloux de ce que je fais, et c'est ok, tu vois. Je pense que c'est juste, ils sont là, genre, moi, je l'aime pas. Vas-y, je vais la défoncer. C'est ça, en fait. Ouais, c'est juste ça. Est-ce que tu penses que tu as déjà eu des relations sexuelles avec des gens foncièrement méchants qui sont revenus vers toi après avec ça? Qui sont revenus vers moi après avec ça? Genre que... Comment je présente ça? Que, t'sais, comme... Parce que en ayant ta vie publique, mettons, d'avoir une vie sexuelle cachée en arrière de ça, puis que des trucs peuvent revenir, des ça trucs peuvent sortir. Chose, je veux juste dire, ça me fait penser à quelque chose, faut pas que je l'oublie. Continuez. Je pense que j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des gens vraiment méchants, mais ça m'est jamais retombé dessus. Non. Wow. Non. Jamais. Il n'y a jamais personne qui a fait comme « Hey, j'ai couché avec telle fille, whatever. » Il y en a un qui l'a fait, et il l'a fait publiquement sur YouTube, et j'étais en mode... Je pensais que c'était genre... On veut son adresse, on va lui conseiller. Ouais, mais j'étais choquée, j'étais là « Ah, ok, genre, c'est tout à fait normal. » Et ça le faisait rigoler, tu vois, genre, quand je lui en ai reparlé, ça l'a fait rire, j'étais là « Mais c'est absolument pas drôle, en fait. Enfin, » c'est, ouais, c'est de l'intimité. Mais j'ai senti que j'étais un trophée, tu vois, et j'ai fait « Bon, ok, whatever. » Et je suis passée à... Enfin, en plus, je m'en foutais, c'était vraiment un plan cul, donc voilà, c'était pas, j'y ai rien mis du tout, j'ai pas mis d'affect, mais je me suis vraiment dit, ok, donc lui, c'était juste, je faisais partie de son tableau de chasse, quoi. Mm. Mais c'est tout, rien de plus, quoi. T'as jamais eu comme rien qui t'est revenu, au moins? Ouais. Non. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben, je te pose la question, mais je vous pose la question, parce que c'est une question qu'on a jamais posée. Quand tu reviens d'un plan cul, ou tu reviens de whatever, de coucher avec quelqu'un, qu'est-ce que tu penses que les gens disent de toi, au lit? Oh! Qu'est-ce que vous pensez que les gens disent? Genre, mettons, ils parlent à leurs amis, « Yo, j'ai fourré Jo », genre, puis voilà. Non, mais moi, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ben non, mais moi, c'est une expérience, là. Tu penses qu'ils disent ça? Ben non, mais une expérience. Non, mais c'est une expérience. C'est oui. Oui, c'est une expérience. Je pense que c'est ça qu'ils disent. Okay. Ah, mais non, mais c'est une expérience. Okay. C'est quelque chose de complètement différent. Moi, je pense qu'ils sont déçus. Arrête! Non! C'est tellement genre... Non, mais ils s'attendent à aller à un podcast, ça doit être freaky. Puis finalement, je suis trop pas freaky. Là. Je suis quand même assez plate. Ouais, je sais. Le monde pense que je suis folle, mais non. Je suis vraiment plate. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je suis comme, mets-moi de Guy, finis-moi, puis décalisse. Oh, ouais. Ouais, toi? C'est faux. Je suis sûre que tu dis ça pour skip la question comme ça. Non, mais voilà. Je mets les attentes très basses. Ouais. Ça dépend de ce que tu as avec qui aussi. Là. Ouais. Ouais, c'est tout le temps une question de connexion. Puis avec j'ai déjà couché avec quelqu'un que j'ai pas fait le setup. Là, c'est je te dirais, mettons, mes meilleures expériences, je sais sûr à 100% que c'est ça que je pense, là, qu'ils pensent. Mais... Okay. Commentez. On aimerait ça que les gens me commentent. Ah, c'est donc, comment vous avez trouvé ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je pense que la plupart du temps, ça doit être qu'ils s'y attendaient pas. Oh! Oh! In a good way? Ou... Exemple, mettons. De par l'image que j'ai renvoyée sur les réseaux pendant des années, je fais très, tu vois, lisse. Bonne fille. Gentille. Correcte. Ce que je fais. Ok. T'es question gênante. Ce que je suis pas, ce que je suis pas forcément au lit. Tu as déjà fait du BDSM? Oui, c'est ça.
Non. Okay, non, jamais fait BDSM. T'es plus rough, t'es plus comme... Je suis... Ah, ouais, je suis... Dominante? Un peu plus? Oui. Dominante ou soumise? T'es plus dominante non, que soumise? Non, je suis plus dominante que soumise. Team dominante. Team dominante. Team soumise. Fait qu'on ouais. pourrait faire ça les quatre, puis on ouais. aurait déjà... Mon rêve, c'est de coucher avec Marie. T'es sérieuse, tout c'est pas vrai? Oh, t'as pris ma place, Colline! Oui. Oh, fuck. Laisse-moi boire de l'eau. Je vis juste à côté. En tout cas, ton chum, qu'est-ce qu'il en penserait? Je peux-tu t'emprunter de lui? Mais lui, il serait pas contre. Oh! Mais on la réinvite, on a couché ensemble. Oui, c'est une bonne idée. Et voilà. Ouais, un autre podcast, on raconte ce qu'on a fait. Oh, très bonne idée. Fait que, ouais. Fait que, ouais, dominante. T'aimes ça rough quand même, tout ça. Plus, ouais. Mais c'est en fait, c'est ça qui est drôle. Mais je crois qu'en fait, en vrai, c'est pour ça que j'en parle jamais. Parce que je me dis, mais tu sais, les gens, ils vont me prendre pour une sadomaso, tu sais. Parce que les gens savent pas ce que c'est une sadomaso, donc ils vont dire ça. Mais oui, c'est tout l'inverse de ce que je renvoie comme image. Ce qui fait que ça peut être assez surprenant la première fois. Je comprends. Mais on me l'a même dit, quoi. C'est même pas un truc. C'est même pas un truc que j'imagine que les gens pensent. C'est qu'on me l'a dit sur le moment, genre. Tu fais quoi là? J'étais là, ah bah c'est comme ça. Oh, bah, c'est intriguant, hein? Ouais. C'est intriguant! Mais parce que tu voudrais que je rentre dans les détails, mais je saurais même pas par où commencer, tu vois. Mais oui, c'est plus. Attends, un exemple. C'est sympa. Je sais pas. Ma tante dans le coin tout le temps. Moi, bah, je suis bloquée. Diane, un exemple. T'as juste besoin de débloquer. Donne-nous un exemple. Les lunettes des grands-mères. Je sais pas, genre... Tu vas lui dire quoi faire, genre? Ouais, je vais dire quoi faire. Je serai rarement en dessous, toujours au-dessus. OK. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème de domination. Genre, je supporte pas, genre... si c'est pas consenti que le mec vienne au-dessus, genre, je pète les plombs, quoi, littéralement. Est-ce que, mettons, là, niveau prostate? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, oh, c'est en France, c'est quoi qu'on dit? Ben, prostate, c'est une prostate. Là, ah, excusez. Ah, ben donc, prostate, t'es-tu fermée ou ouverte? As-tu déjà pénétré un homme par derrière? Non. À un doigt? À un doigt, juste un. Oui. Oh, c'est ça. Manger un cul? Elle en peut plus. Elle en peut plus. Je pense qu'elle va mourir dans 5 minutes. J'entends. Je viens pas de ce que j'entends. Wow. Si c'est pas consenti, il vient pas sur moi. J'en mets pas. C'est toi qui es sur le dessus, puis c'est toi qui lead le. Wow. Sauf quand j'ai vraiment la flemme. Mais c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que ça demande trop d'efforts. Ouais, c'est ça. Là, il y a des jours où j'ai vraiment, genre, pas envie, parce que j'ai, genre, la flemme. Et ça veut pas. Tu sais, ça veut pas dire que j'aime pas quand c'est tranquille et calme et tout. Parce qu'il y a des moments où je serais dans le. En fait, je pense que c'est juste une question de circonstances. Mm-hmm. Je dirais que, de manière globale, je suis plutôt comme ça. Parce que, genre, c'est ce que j'aime. Et j'ai l'impression que j'ai de la chance parce que je tombe toujours sur des mecs qui sont comme moi. Donc, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas ce truc de genre, c'est bizarre ou quoi. C'est genre, c'est OK. Moi, je pense que les gars aimeraient vraiment ça. Pas tous. Non? Non. Non, il y a des gars qui veulent absolument être genre le dominant, puis c'est t'as rien à faire là. Ouais. Faut que tu sois. Mais ça c'est drôle en vrai parce que c'est. Là. Mais ça c'est cool parce que c'est challengeant, tu vois. Ouais. Oh. Parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, pour le coup, ça m'est déjà arrivé. C'est cool parce que c'est challengeant. Bah ouais. Et comme c'est un challenge accepté. Non, mais c'est cool parce que du coup ça rend le truc un peu plus excitant parce que tu sais que tu vas devoir un peu te battre pour faire genre comprendre que c'était pas que c'est pas lui qui décide, tu vois. Et c'est assez drôle en vrai. Wow, c'est un lion. Oh my god. J'adore. Ouais. Est-ce que tu incorpores beaucoup de jouets dans ta sexualité? OK, Joanie débat. Toi, mettons. Ça fait trois fois que tu y poses la question. Non, mais en France, mais là, on parle d'elle. Là. Non. Pas avec mon mec, non. Ah, j'arrête ça d'en amener un. Pas avec mon mec, non. Parce que c'est pas. Parce que pour le coup, on n'en a pas besoin. Enfin, moi, j'en ressens pas. Non, mais j'en ressens vraiment pas le besoin, puis lui non plus. Donc, du coup, on n'en utilise pas. Mais par contre, solo, oui. Ah, OK. Mais okay. Pas en couple. OK. Pas quand il est là ou quoi. Je comprends. As-tu déjà flirté avec l'idée de, genre, le couple ouvert, le threesome? Oh mon Dieu, c'était ma prochaine question. Les couples monogames. Mes couples ouverts, genre, libres, enfin, où tu peux avoir, genre, plusieurs relations. Pas de monogame, là. Vraiment polyamoureux, kind of thing. Polyamoureux, je trouve ça hyper intéressant.
Mais je sais pas si j'en serais vraiment capable. Parce que je crois vraiment qu'on n'est pas fait, nous, en tant qu'être humain, pour aimer qu'une seule personne. Genre, c'est sûr qu'on n'est pas... Genre, c'est... Je t'en aime. C'est impossible qu'on aime qu'une seule personne. Je crois vraiment qu'on en aime plusieurs. En tout cas, qu'on peut en aimer plusieurs. Maintenant, je suis quand même... Je suis quand même assez exclusive dans mes relations. Je me verrais pas... Genre, si c'est genre histoire d'un soir ou quoi, faire un plan à trois ou quoi, ça me dérange pas. C'est pas un problème. Par contre, vraiment, genre, rentrer dans une relation à plusieurs, là, je crois que ça me poserait un souci parce que... C'est du planning, hein? Oui. Hein? C'est du planning, là. Ouais, et puis j'ai quand même besoin d'avoir cette espèce de cocon un peu qui fait que quand je rentre à la maison, j'ai quelqu'un et je suis la personne aussi. Enfin, tu vois, c'est un échange mutuel. Moi, je sais que mon mec, il est content quand je suis à la maison. Je suis contente quand il est à la maison. Enfin, on est content de se voir. On a besoin l'un de l'autre pour être bien aussi. Et j'aimerais pas partager, en fait. Et je crois qu'il aimerait pas que j'aille... Mais est-ce que tu pourrais partager sans que ce soit au plan amoureux, juste au plan sexuel? De comme toi, tu peux avoir d'autres partenaires, ton partenaire a le droit d'avoir d'autres partenaires. Non. Non? Non. Mais j'admire les gens qui arrivent, mais je crois que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire qu'il trouvera pas ça mieux ailleurs et de se dire qu'il reviendra jamais, qu'il reviendra pas, tu vois. C'est genre, ouais, vas-y, va. Et que finalement, genre, trois jours après, je reçois un message genre, écoute... Ouais. Oui, c'était mieux là-bas. Et genre, du coup, bah, ciao, tu vois. Non, je comprends, on parle le même langage, clairement. Donc, ouais. Ouais, du coup, c'est un peu sur l'abandon, correct. Ouais, clairement. Mais Chloé, dans le fond, c'est une fille qu'on a reçue ici, qu'elle est en couple ouvert. Depuis. C'est tellement gossant à parler. J'excuse. Ouais, puis elle disait que, dans le fond, c'est que même en étant en couple ouvert, tu sais, ils pouvaient quand même décider de s'en aller puis pas revenir, tu sais. Ouais, quand je suis ouvert ou pas, t'as pas nécessairement le contrôle là-dessus. En tout cas, monogame, je sais plus ce que je dis. Ouais, mais j'ai quand même, moi, je pense vraiment que c'est une question d'estime personnelle. Ouais, je crois, vraiment. Bah, c'est dur de l'admettre, en fait. Ouais, définitivement. Parce que les gens qui disent, ouais, moi, je veux pas, parce que je prête pas, mais enfin, tu sais, c'est n'importe quoi, genre parce que je prête pas mon mec. En fait, ça a rien à voir, c'est juste parce que. T'as peur qu'il y ait plus de fun avec toi. Juste parce que globalement, ouais, tu te dis, il y a une peu de chance qu'il revienne. Ouais, sûr à 100 000%. Que genre, t'es sûr à 100% qu'il n'y ait pas d'amour avec l'autre personne, est-ce que tu le ferais? Genre, ouais. T'es sûr à 100% là, que ça n'existe pas, là. Ouais. Ben, dans ce cas-là, ouais, mais ça ne après... te dérangerait pas, OK. Mais ouais, mais dans ce cas-là, où est le plaisir aussi, tu vois? Si tu... En fait, je crois qu'en fait, les relations, quand t'as plusieurs partenaires sexuels, ce qui est excitant, c'est de se dire que ce sera différent à chaque fois et que tu ne ressens pas nécessairement la même chose avec la même personne à chaque fois. Si, dans ce cas-là... Tu sais que tu ressentiras rien et que c'est juste pour le cul, alors autant rester avec la même personne, tu vois. Ouais, ouais, très bien. C'est un peu ça. J'ai plein d'autres questions. Vas-y. Ce podcast va durer 3 heures. Ah, c'est clair. Mais là, ça fait 1h30, je pense qu'on est là. Ah, c'est vrai? Ben, t'es arrivé à 4h30? Oui. Il est 6 heures. Je me suis pas rendu compte. Est-ce que ça te turn off l'accent québécois? Tu coucherais-tu avec quelqu'un québécois? Juste de même. Question de même. Pour un ami. C'est une joke. Je m'excuse. C'est un joke. Ouais, je pourrais. Mais je comprendrais pas tout, donc ce serait hilarant. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me... Pas de coucher avec quelqu'un, mais de sortir avec quelqu'un français, genre d'être en relation. Il y a un fuck avec le code. Il y a vraiment une espèce de barrière de langage. Puis je sais que je parle québécois, puis je sac, puis je suis quelqu'un qui est drôle quand je suis spontanée, puis que je lâche des. Ouais, c'est je parle en petite bûcheronne. Fait que, genre, clairement, il serait juste comme. Qu'est-ce que tu dis, genre? Bah, s'il comprend pas tes jokes, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Puis au final, t'as des expressions que je comprendrais pas non plus, puis on ferait juste pas se comprendre, tu sais. Ouais, y a moi, c'est un peu ça. Tu sais, quand ton cerveau, il marche plus vraiment bien, puis que tu sais plus ce que tu dis, là, c'est comme important d'être un peu connecté naturellement. Ouais. Pas besoin de forcer. Pas besoin de forcer. Non, clairement, j'ai fréquenté un gars qui parle anglais, puis tu sais, je parle vraiment couramment anglais. Mais il reste que le soir, quand je suis brûlée, là, si tu parles pas un mot français, puis je vais juste comme. Forcer mon cerveau à tout traduire. Puis là, tu veux qu'on ait une discussion? Mon ex, puis moi, c'était ça. On faisait TV, pot de show, OK, popcorn, parfait. C'était genre, on parlait plus parce que c'était trop compliqué de se comprendre. Ouais. All right. Ben là, c'est ça. T'as plus de questions, ça y est? Je crois qu'on mais je sais pas. C'est parce que je pensais qu'il fallait qu'on avait terminé. On a... OK. On peut? Posez-en à. Tu penses quoi d'avoir qu'un seul partenaire sexuel toute une vie? Ah, ben là, elle a dit. Ah, toute une vie? Toute une vie avec une seule personne. Mettons, tu te dis là, live, ça va encore sonner comme si je l'ai couché avec toi.
Non, mais mettons que tu disais live, la personne avec qui je suis là, c'est le dernier pour le restant de mes jours. Est-ce que la porte est ouverte dans le jour? C'est pas ça. C'est oh. pas là, je veux m'en aller. Oui, genre, j'ai reçu une question du public. J'aimerais savoir. Non. C'est pas ça. C'est pas là, je m'en allais. Non, mais ouais. Bon. Est-ce que cette idée-là te fait peur? Dans Montréal, pour combien de temps? Ben, je pense que oui. Après, c'est loin. Non, je pense en vrai que ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde de se dire que tu vas rester avec la même personne pour le reste de ta vie et surtout en fait aujourd'hui où tu sais avant c'était pas pareil. Les précédentes générations, elles se mariaient, ensuite elles avaient des relations sexuelles, ensuite elles avaient des enfants et ensuite elles passaient leur vie ensemble parce que c'était comme ça que ça devait être. Mmh. Aujourd'hui, avec toutes les apps de rencontres, avec tous les réseaux et tout, je pense qu'aujourd'hui la liste des partenaires sexuels des gens a vraiment quintuplé, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Avant, ils avaient peut-être genre 3 partenaires sexuels dans leur vie. Aujourd'hui, on en a tous plus. Oh, là, j'ai failli m'avancer, mais en fait, je sais pas combien les gens ont de partenaires sexuels, mais... on en a tout plus que 100, là. On est comme, OK. On en a pas mal, quoi. Et du coup, je pense que c'est difficile de se dire que tu vas rester toute ta vie avec la même personne. Et c'est pas très honnête, en fait, de dire... tu sais, moi, je suis pas dans ce délire amoureux de dire « Ouais, on sera ensemble pour toute notre vie. Il y aura plus que toi. » Parce que ça, t'en sais rien, en fait, tu vois. Donc ouais, ça me fait un peu peur. J'ai peur de me lasser. Et je trouve que le sexe, c'est vraiment le ciment d'un couple. Et que dès lors où ça se passe plus hyper bien, ou que t'as envie d'aller voir ailleurs, ou que tu sens que t'as plus rien, bah c'est compliqué, tu vois. Donc dire que tu resteras toujours avec le même partenaire sexuel, c'est... Bah en tout cas, il faut toujours faire en sorte de raviver la flamme à 24, quoi. Sinon, c'est un peu... C'est un peu boring. C'est vrai. C'est effrayant. Si vous voulez. Il y a une Française qui nous écrit. Oh. En France, les hommes sont plus machos. Mais du coup, je trouve que les Québécois sont un peu trop gentils. Ah. Est-ce que tu trouves que les Français sont un peu machos? Ou les Québécois trop gentils? Ouais. Bah, ça, je sais pas, du coup. Ouais, mais t'as dit tantôt qu'on était très gentils. Ouais, oui, c'est ça, mais en couple, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que les Français sont globalement assez machos. Ah ouais? Ouais, c'est... Ah, j'aime pas ça. Non, mais ce que tu dis, c'est les gars qui vont vers les femmes. Tu sais, il y a une espèce de truc d'orgueil un peu de comme la chasse. Ouais, ça fait et plus puis, dans ce sens-là. C'est un peu la chasse et c'est un petit peu... c'est un petit peu genre la femme, elle est comme ça et elle est pas autrement. C'est un peu difficile aujourd'hui, je trouve, de trouver des gars qui vont accepter... En fait, qui vont pas prendre la meuf comme un trophée, en fait, tu vois. Qui vont juste la prendre comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, avec ses états d'âme et avec tout ce qu'elle est, quoi. Et moi, des fois, j'ai l'impression... Et c'est pour ça que pendant un temps, j'ai été comme ça. Genre, hyper pimpée H24, tu vois, genre toujours... le make-up. À chaque fois que j'allais en boîte, genre, je me pimpais à fond. En me disant, genre, c'est le seul moyen que j'ai d'attraper un gars. Alors qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Et que je me dis, si jamais... j'intéresse vraiment le mec, il viendra me parler, même si je suis pas genre la petite biche, tu sais, complètement pimpée et tout. Et c'est rare en fait en France. Tu verras qu'en France, si t'es vraiment comme t'es, bon alors là du coup je parle pour mon cas où je suis plus souvent un tomboy qu'autre chose. C'est rare les moments où je vais me faire les machos m'approchent pas, tu vois, parce qu'ils savent que mais ça sert à rien, tu vois, et qu'ils auront rien en fait. Et les seules fois où c'est arrivé, c'est que c'est les moments où j'étais le plus faible dans ma tête, tu vois, en me disant, genre, je m'en fous. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ton amoureux? Pourquoi lui, mettons? Parce que, déjà, d'une, il n'est pas macho. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Bon point. Et en fait, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, parce que genre s'il écoute ce podcast, il va péter les plombs. Déjà, rien qu'avec toutes les discussions qu'on a eues, il va péter un câble. mais c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à ma place. Mais pas forcément à ma place dans la place de Enjoy Phoenix, des réseaux sociaux, mais dans ma tête, en fait.
dans ce que je peux ressentir au plus profond de qui je suis vraiment. En fait, quand on parle et quand on va parler genre d'un sujet, il va connaître tous mes traumas et donc il sait d'où ça vient. Et donc si par exemple j'ai une réaction complètement excessive où je vais commencer à péter un câble pour n'importe quelle raison, il va pas s'énerver en fait. Il sait d'où ça vient, donc il sera juste OK avec ça. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai senti juste qu'il était... C'est un peu trash à dire parce qu'aujourd'hui en France, j'ai l'impression que tu peux pas trop dire ça, mais il est sensible, tu vois. Et des fois, tu peux pas dire ça. Parce que quand tu dis, parce qu'en France, quand tu dis qu'un mec est sensible, c'est tout de suite mal vu, genre en gros c'est un faible. C'est un faible, tu vois. Il est sensible alors il est faible. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est un peu dur. C'est vraiment le truc qui est le plus souvent pris en compte. Genre tu dis ouais mon mec est sensible, c'est limite c'est pas genre ah ouais donc en fait c'est un faible quoi, tu vois. Alors que pas du tout. C'est juste quelqu'un qui ressent les émotions, tu vois. Et qui sent et qui est capable de se mettre à ta place et de voilà, donc moi j'avais juste besoin de quelqu'un qui astrologiquement parlant, je suis poisson. J'avais absolument besoin de quelqu'un qui soit hyper enveloppant et genre qui puisse comprendre. Il est balance, c'était parfait. Et j'avais vraiment besoin. Et je savais pas avant de me mettre avec lui qu'il était balance. Quand j'ai regardé, j'ai fait perfect match. Donc voilà. Waouh. Ouais. Et en fait, il est à l'opposé de tous les mecs avec qui j'étais avant. Donc c'est juste quelqu'un qui pense à deux avant de penser à lui. Et ça, c'est intéressant. C'est la première fois que je me mets dans une relation comme ça. Avant, c'était plus un peu genre chacun pour sa gueule et tu verras ce que t'en retires. Et là, c'est plus genre... On le fait ensemble. Ouais. On est une team. On le fait pas, tu vois, c'est ça. Est-ce que c'est un peu le rapport, mettons, quand tu dates quelqu'un, est-ce que c'est comme soit on est un plan d'un soir, soit on est en couple? Puis c'est comme, c'est tout genre. Mais ça, je pense que c'est plus moi. Ah ouais, hein? C'est moi qui fais comme ça, je pense. Okay. Ça, je peux pas parler... Mais parce que je suis dans les extrêmes, en fait. Moi, c'est genre, c'est tout ou rien. Est-ce que le principe de fuck friend existe, mettons, en France? Je sais que ça existe. Ouais, okay. Je sais que ça existe, mais moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc, tu vois. Ouais. Mais je suis curieuse d'apprendre à connaître quelqu'un comme ça, parce que, genre, vraiment, pour moi, tu peux pas. C'est difficile de mélanger les deux. Tu sais, la barrière est tellement fine que. Ça serait bizarre. Ce serait bizarre, tu vois, genre d'avoir une discussion profonde avec quelqu'un, puis genre dans 5 minutes plus tard, de fuck sur le canapé, puis après d'aller manger une raclette et de faire « Alors sinon, ta mère, ça va ?» Enfin, c'est bizarre. C'est vraiment mon rêve. Mon pire cauchemar. Moi, fuck friend, c'est pas mon buzz, là. Mais après, tu sais, tu peux l'avoir avec ton gars ou ta meuf, tu vois. C'est... Exact. Moi, mon mec, c'est mon meilleur ami, hein. Mais oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Tu peux avoir les deux. Un fuck friend, ça veut dire qu'en gros, c'est tu prends tous les côtés positifs, mais tu laisses de côté le négatif. Mais c'est pas ça qui cimente un couple, en fait. Non, c'est ça. Un fuck friend, c'est pour moi, il y a une espèce de. Je veux pas juger les gens qui ont des fuck friends. J'ai plein d'amis qui en ont, puis c'est correct. Mais c'est une espèce de peur de l'engagement parce qu'au final, comme tu dis, tu prends toutes les parties d'un couple sans dire que t'es un couple, tu sais. Puis sans devoir rien à l'autre, puis c'est tout. En même temps, c'est juste moi, c'est pas le genre de personne que je veux dans ma vie nécessairement, comme pour coucher avec, je pense. T'sais. Pour moi, coucher avec quelqu'un, il y a quand même une espèce d'intimité puis d'échange de. C'est ça. On apprend à se connaître, puis là, tu vas apprendre qu'est-ce que j'aime au lit, puis le sexe et le fun, puis je peux te parler de mes traumas, tu me parles des tiens, c'est donc bien le fun, t'es en profondeur, mais au final, pourquoi? Pour que dans 2 mois, on fasse comme bon, ben moi, j'ai un chum, toi, t'es une blonde, fait que bye. Mais en même temps, fuck friend, pour moi, c'est comme. Je veux pas être en couple avec cette personne-là parce qu'il manque quelque chose. Fait que, tu sais, moi, j'avais mes fuck friends à moi qui avaient tout quelque chose. Tu sais, j'avais mon petit romantique, j'avais mon petit cochon, j'avais mon petit dominant, mon petit soumis. Fait que, tu sais, j'avais mes. Le chef de cette famille, elle les avait tous. Moi, c'est mon rêve, là. J'avais mes 4. Fait que quand j'étais tannée d'un, je m'allais voir l'autre. Quand j'étais, tu sais, puis je choisissais, tu sais. Mais ça, c'est parce qu'il n'y en avait pas, tu sais, un qui comblait mes 4, tu sais. Fait qu'il y avait tout quelque chose qui ressortait de chacun. Fait que là, c'était mes fuck-friends. J'ai trouvé ma personne qui a mes 4 choses. Fait que, tu sais, mais c'est ça, mais quand tu le trouves pas, moi, c'est de même que j'allais chercher, tu sais, parce que j'avais besoin. Je vais me crosser, je pense. Ouais. Tu sais. Ah, ben. Au lieu de coucher avec non, un pour j'ai besoin de, quand même de quelqu'un, on dirait. Ouais. Ben, c'est pas pareil, hein. C'est fun de me sauver, mais c'est fun aussi d'être quelqu'un. Je comprends. Mais tu penses pas que ça dépend aussi des moments de ta vie? Ah, ben, moi, ça a été une période de ma vie. Une seule. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai toujours été en couple, steady. Ça a été vraiment juste une période. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a toute cette période-là où. Moi, c'est pareil, j'ai toujours été en couple.
Et au bout d'un moment, j'ai dit non, là, c'est... j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Et c'est une période de un an où, genre, vraiment, je suis genre. C'est ça. Moi aussi, ça n'était pas. Mais oui, ça. C'est ça. Pas été là. Ouais. Mais tu vois, je pense que je suis plus une personne de one night que de fuck friend. Parce que fuck friend, je vais m'attacher. Ah, one night. Je suis pas capable. Ouais, mais si justement j'ai juste le goût de coucher avec quelqu'un parce que ça me tente pas de me masturber ce soir-là, puis je suis comme, ok, j'ai juste le goût de me faire fourrer, genre. Ouais. Je vais me trouver quelqu'un et je vais coucher avec, puis cool. Mais si j'apprends le moindrement à te connaître, j'ai vraiment l'amour facile, là, je pense qu'on le sait, là. Genre, moi, je vois vraiment le bon dans tout le monde, puis je suis comme, non, mais c'est correct, là, t'es l'amour de ma vie, là. Si j'apprends le moindrement à te connaître. Puis que là, on est en profondeur dans nos discussions. Et voilà, terminado. Ça peut plus être un fuck friend. C'est épouse-moi. C'est l'inverse, là. Je texte un peu, puis là, il y a un mot qui est écrit tout rush, comme je le vois plus jamais. Ah, ouais, voilà. Moi, je suis pareil aussi. Ah, moi, c'est pareil. Ah, ouais. Je vois tous les red flags. Là, à chaque fois, je vois un red flag quelque part. Mais tu finis par en voir qui sont même pas là, ouais. Là, tu sais. Ah non, ouais. Mais j'en vois aussi. Là, je veux dire, je pourrais pas être en couple avec n'importe qui le matin. Je veux pas dire que je pourrais tomber en amour avec n'importe qui. Là. Genre, j'ai une date dernièrement qui a Chris au secours. Là. On s'en reparlera, là, mais si, bois. En tout cas, il y a des trucs que je sais. Mais tu vois, si là, j'étais en date avec ce gars-là, justement, puis genre, je voyais plein de red flags, puis j'étais comme, mais c'est sûr, je coucherai pas avec lui à soir. T'es parce que même. Non. Ah non, c'est vrai. Parce que même si le sexe était next level, il reste que si on n'a pas de connexion quand on se parle puis que je vois des red flags, je vois pas l'intérêt de coucher avec toi, genre. Mais c'est ça, one night? Non, j'ai pas couché avec parce que juste d'y parler, j'étais comme SOS. Ah, non, c'est ça, ah, ça, ouais, ça m'intéresse non. pas. Non, c'est sûr. Faut qu'il y ait une connexion pareille, là. Ah ouais. En tout cas. Wow. Sur ça. C'était vraiment cool de t'inviter. Je suis capable de cette voix. OK, parfait. Je... Merci tellement d'avoir accepté, Marie. Avec grand plaisir. Très, une très beaucoup. Belle connaissance pour elle. Je te trouve vraiment hot. Ben, écoute. Non, mais c'était chouette. C'était vraiment cool. Une très belle personne. Puis j'espère que tu vas pouvoir un jour, justement, sortir de cette petite boîte-là puis qu'à un moment donné, les gens vont être plus évolués. Ça, c'est la question de la vie. Oui, c'est vraiment ça. Je trouve pas que c'est toi le problème. En tout cas, c'est pas toi le problème. Là. Clairement, il y a une évolution à faire dans ce coin-là. Là. Travailler, là. Tu peux les appeler. Hein? Je suis ravie de t'avoir au téléphone. Non, on va être la team hater. Ouais. On appelle. C'est sûr, on se pointe là-bas, on défait tout. Là. Oh my God. Ça ne pas, moi. On fait une tournée de podcast en France. Là-bas. On va leur dire comment agir. Jugez-nous, Colin. Mais acceptez-nous. Voilà. I love you, Marie. Oui, merci vraiment d'être venue. C'était vraiment plaisir. Nice. Merci de m'avoir accueillie. C'était cool. Une production du Studio SF.